Bonjour. Ok, on va commencer. Vous avez vu le titre de ce direct. J'ai beaucoup hésité avant de décider pour ce sujet. Ok. Seigneur, je te remercie pour cet espace que tu me donnes pour parler. Je demande que l'Esprit Saint guide mes paroles. Je viens chasser tout ennemi de votre destinée. Toute pensée maléfique que l'ennemi a eu à mettre dans votre esprit pour vous décourager. Au nom de Jésus, amen. Je demande à Dieu de me donner la grâce pour savoir de quel côté je vais commencer pour parler de ceci. 2022, c'était une année où j'ai connu beaucoup de déceptions. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté. J'ai arrêté avec beaucoup de personnes qui me représentaient. Et je ne fais pas cette vidéo pour accuser qui que ce soit.
Il y a quelque chose que le Seigneur me montrait. C'est le nombre de déceptions que vous allez avoir sur le chemin. Parfois, tu n'as pas idée que tu auras des déceptions jusqu'à ce que, en un mois, tu sois déçu par trois personnes. C'est-à-dire, tu collabores avec trois personnes, tu te rends compte que, oh, la personne dit, oh, l'autre. En fait, quand la première personne te déçoit, ça te fait mal, tu peux dire à la deuxième personne. Pendant que tu es à la deuxième personne, la deuxième personne en train de te décevoir. Vite, j'espère que tu vas bien. Et quelques temps plus tard, tu découvres pour la deuxième personne. Tu dis, oh. Et c'est un peu comme si les gens se donnent le droit. À un moment, le droit d'abuser. Ou le droit de. Je ne sais pas quoi je peux dire ça. Le droit de prendre ton argent. Parce que la plus grande. Pour moi, la plus grande déception, c'est la trahison et le vol d'argent. Ou bien le détournement d'argent. Pour moi, quand je parle de ce détournement d'argent, ça peut être 5 000. Voilà. C'est pas que. Tu peux prendre mes 15 000. Tu prends mes 300 000. D'autres personnes prennent mes 5 000. Vous tous là. Vous avez pris mon argent. J'ai eu des personnes qui m'ont encouragé. Dès que les personnes sont tombées sur ce que je fais, elles n'ont pas compris que. C'est pour ça que vous voyez, je demande beaucoup d'autonomie spirituelle. Je vous préviens parce que quand vous allez monter, vous avez besoin de vous rappeler de ce que je suis en train de vous dire. Et ce sont des prophéties qu'on m'avait données. Je me rappelle en janvier, février de l'année passée, j'ai une tata qui est prophétesse comme ça là. Mais elle n'est pas dans une église. Hein. Elle est dans le. Elle est du côté de Fumban comme ça là. Trois jours d'affilée, ses ancêtres lui ont parlé que lève-toi, tu peux parler à la fille à droite là. Elle a porté ses pieds, pris la voiture. Je me lève le matin, on dit qu'elle est là depuis 5 heures. Il a tout. Et que tata, c'est comment? Elle dit, je suis venue pour te dire telle chose. Et l'une des choses, c'était que. Les gens vont venir à ta lumière. Donc, vous devez savoir que ceux qui sont en train de faire des kits de célébrité, qui commencent. Parce que l'une des particularités du choisi, c'est que le choisi est pur de cœur. Tu es pur de cœur. Et cette pureté passe souvent pour de l'idiotie. Les gens se disent, mais attends, elle est bête. Elle est bête. Et si tu ne fais pas attention, tu auras tellement de douleur. Ça peut venir des relations que tu as amoureuses. Ça peut venir des relations amicales. Et pour être honnête avec vous, hein, je n'ai pas de meilleure amie, fille, même garçon, je n'ai pas. Je n'ai pas moi. J'ai eu des périodes où les gens m'ont fait du rentre dedans, c'est-à-dire trop. Like, for me, I'm like, Je ne suis pas habituée. Mon bébé, ma chérie. Et même si les intentions du cœur sont pures avant, ne rentrez plus en 2023,
Sachez que 100% des gens qui viennent autour de vous, quand ils vont, dès que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous exposer. Donc, on va dire comment? Genre, tu es confortable avec la personne, non? La personne commence à connaître ta mère de genre, oh, donc, ton mari t'a fait ça. Oh, donc, ton employeur a apporté ton argent, il est parti avec. Ah, ok. Donc, des choses à... dès que la personne va commencer à connaître ça, c'est comme si la personne se sentait à l'aise. Genre, même, c'est pas, parfois, même tu, quand tu commences à coucher avec un homme, quand il te voit nu, même si tu es chef de n'importe quelle entreprise, présidente du conseil, de sénateur ou bien je sais pas. Donc, clean the floor. Go and fix your room. And then you have your shower. And then you fix mine. Même si tu es sénatrice de n'importe quoi, il y a un manque de respect qui va rentrer. Et la personne va commencer à vouloir que tu te voies comme il se voit. Or, un choisi, c'est quelqu'un qui est en développement, en développement. Tu es en expansion. Tu ne sais pas à quoi tu vas ressembler la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine, tu voudras partir sur Mars. Ce sera ça ton objectif. Donc la personne entre dans ta vie ou bien ressurgit. Et la personne va toujours calculer quand tu es dans tes down moments, dans tes moments où tu es basse là. Genre, tu viens de découvrir un truc qui te fait mal. Ah, comment tu as pu me faire ça? Quand c'est comme ça, tu as envie de parler. Généralement, dès que tu te tournes, salut, ça va? Comment était la journée? Oui. Dis-moi alors. Et si tu traînes dans la conversation, à un moment, tu vas te retrouver en train de faiblir et partager tes faiblesses avec la personne. Même le président de votre république, je nommerai personne, vous m'écoutez dans différents pays. Le président de votre république porte les sous-vêtements. Il va aussi aux toilettes. Ça n'empêche que quand il fait sa bille, met sa veste. Quand il entre, on dit bonjour, monsieur. Vous devez savoir dissocier de vous-même. Accepter vos faiblesses. Et balancer-les maintenant avec vos forces. Parce que c'est ça qui fait que quand vous montez, ces gens-là viennent toujours pour vous descendre. Vos pires ennemis de destinée, ce n'est pas que la personne te détestait. Ce sont les gens qui sont proches de toi. Quand vous parlez comme ça, j'ai encore. Le truc, c'est que c'est encore tellement frais dans mon âme. Ça, c'est le truc de. Depuis juillet de l'année passée, chaque mois qui passait, j'avais au moins deux personnes qui me trahissaient dans mon environnement. Je me tourne ici, je me tourne là-bas, je dis que c'est quoi ça? Et les représentantes qui prennent les clients commencent à envoyer ailleurs. C'est le client après que lui, il part ailleurs, ça le laisse pas. Il revient, il dit, wow, maman, j'ai recontacté ta représentante, elle m'a dirigé plutôt chez telle personne. C'est là que je dis que mince. En fait, je ne suis plus surpris, je suis plus surpris, moi, des gens. Je ne peux plus. Je sais, on sait que bien. Comment tu as pu faire ça? Non, je ne peux plus. Non. Même père. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui croyait que c'est lui qui m'a donné mon pouvoir. Et je lui dis que je ne connais même pas comment j'ai fait pour avoir mon pouvoir. Si je ne connais, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire que c'est comme cela. Je prends un jeune homme sous mon aile. Et tout ce que les petits, les gens que je prends pour les former là, ils m'ont tellement déçu eux aussi que.
En fait, reste comme ça, il dit que, après Dieu m'amène encore quelqu'un, il dit que non, donne-lui sa chance. Je prends le jeune homme. Et le truc, c'est que quand votre vie n'avance pas, hein, quand on check votre cœur, il y a généralement, soit il y a la masturbation, il y a les petites impuretés là qui vous empêchent de monter. Petites impuretés. Je prends le jeune homme. Il y avait même les jours où je donnais l'argent, j'ai dit que va acheter la chaussure avec les nouvelles chaussettes. Parce que quand il venait à côté de moi, je sais que le gars, s'il n'a pas porté les chaussettes dans ses chaussures là, ça sent. Moi, je dis que déménage, je prends le matelas, je prends le matelas, je prends en place le matelas, parce que déjà que tu vois le matelas, je ne sais pas ce que j'ai le matelas, tu dors. J'ai dit, tu prends le petit, tu commences à travailler avec lui. Ah. Cette personne qui se croyait être, c'est à cause de moi qu'elle est comme elle est. Pas dans mon dos. Commence à monter le petit là et lui dit que lui aussi peut faire ce que je fais. Il dit, ah. C'est plus tard que j'ai suivi. Hein. C'est plus tard que. Tu vois, j'ai resté avec eux chaque jour. C'est après que quand on dévoile tout le truc, j'ai dit que. Hein? Ah. Ils ont monté leur coup, ça capote. Quand ça capote, on a encore cherché qui pour que je vienne. Aide-moi, aide-moi. C'est qui qu'on a appelé? C'est moi, non? La personne, le père, commence à jurer que non. Le père a dit non, ce n'est pas moi. Est-ce que moi, il peut te faire ça? Et le jeune homme est venu, il a démissionné pour rien. Genre, c'est quand tu travailles avec quelqu'un, il fait les comptes de la journée à 21h. 23h, tu envoies sa lettre de démission. Tu vois la lettre dans le sommeil, tu dis que bon, demain, on a trop travaillé aujourd'hui, demain, on va voir ça. Toute la journée, le lendemain, t'évite, il ne te parle pas. Vers 20h, quand on fait, parce que généralement, quand je suis au pays, le soir, je fais la réunion avec ceux qui sont un peu lourds dans l'entreprise. Carole, si tu veux parler avec moi, tu pars à Yaoundé, à Titi Garage, là où il y a notre bureau. Tu t'assois là-bas. Tu dis au gars qui est là, il s'appelle Romaric, que je veux parler avec elle. Tu t'assois, tu dis que tu ne parles pas tant que tu ne me parles pas. Tu vas payer ta consultation, il va prendre le téléphone, il va m'appeler et je vais te parler. Dans ma doigt là. Vous dites que c'est moi qui ai dit. C'est moi qui t'ai envoyé, que tu parles là-bas, t'assois. Tant que tu ne parles pas avec moi, tu ne sors pas de là. Et tu ne fais pas comme ça, tu ne peux pas me parler. Je suis trop occupé. Ce n'est pas mes secrétaires qui me disent que madame, il y a tel rendez-vous. On fait la réunion le lendemain, le jeune homme, il dit, madame, je te dis hier que je partais, non. Il dit, hey, tu étais sérieux? Je compte son salaire, je donne même l'avance sur ça. Je dis que parle, il part. Quelqu'un que la veille, bon, il y a ça là 24 heures, il était avec nous. Et quelqu'un qui tenait les comptes de l'entreprise, donc, pourquoi? Parce que cette personne s'est insérée dans son cerveau. Mais ce qu'elle fait là, tu peux faire ça. Et je dis toujours, hein, je ne suis pas l'ultime. Le numéro de Titi Garage, prends le numéro, tu les appelles. C'est le 655. Appelle en direct. 655-31-0750. Je ne vais pas laisser ce qu'elle fait pour t'indiquer l'endroit. 655-31-0750. Voilà. Les gens ne connaissent pas ton parcours. Les gens ne connaissent pas le temps que ça prend. J'ai eu des représentantes. J'ai arrêté au moins 3 représentants l'année passée. Une, elle est partie, elle ne m'a même jamais recontactée. L'autre, elle m'a même porté plainte au pays après. On travaille ensemble. Après, je remarquais que
Dans les réunions avec les représentants, elle était venue bizarre. Très agressive. Mais j'évitais, j'évitais. Et il savait que j'ai un de mes petits. Je vous dis que les petits, mes petits, dans ma, mes petits comme m'ont tellement trahi. Elle s'engage ou se fiance, elle devient fiancée avec un de mes petits que j'ai présenté, je les ai mis en contact. Elle arrive au pays. Ils sont fiancés, je ne sais même pas. Je reçois seulement la convocation pour le autre truc à la gendarmerie. J'arrive, on dit que le plaignant, je vois, c'est mon petit. J'ai dit que, wow! Mon Dieu! Un petit que je connais depuis 2 ans au moins. Il ne savait pas que le petit là me détestait dans son cœur. Dans la plainte, il dit, je lui ai dit que les affaires qu'elle fait avec la femme, c'est là. J'ai dit qu'il le regarde comme ça là. Que dans toutes ces années que je te connais, tu étais jaloux de ce que je fais. Là, quand j'ai eu l'opportunité d'entrer dans l'esprit, écoutez, tout se passe ici. Le diable va insérer les pensées. Il va s'insérer dans les pensées des gens que vous avez les plus proches. Et c'est quelque chose de subtil. C'est tout fin. C'est tellement subtil que... Mais quand tu vas remarquer, ça peut être ton mari à la maison, ça peut être un de tes employés, ça peut être même un de tes enfants. Tu vas remarquer que quand l'esprit là va entrer dans la personne... Écoutez, Judas était le comptable de Jésus. Judas était le comptable de Jésus. Et toutes les réunions, toutes les croisades, tous les pays que je suis parté, Judas était là. Judas, pardon, décaisse un peu l'argent. Il faut qu'on aille louer les voitures là. Oui, il faut qu'on paye l'hôtel. D'accord. Sûrement, Jésus ne checkait pas les comptes. Offrande de 15 millions. Judas, tu as mis en banque? Oui, Jésus. Séance de lavage des pieds. Judas, assois-toi là-bas. Oui, Jésus. Jésus vient, il prie sur Judas. Ô Éternel, je demande que tu bénisses cet enfant. Ô Judas, je te bénis. Judas, je te bénis. Reçois l'onction, Judas. Parfois, quand on dit que Judas, vous croyez qu'au début de la vie de Jésus avec Judas, là, ils étaient ennemis. Quand il marchait comme ça, là, Jésus tenait le couteau sur Judas. Judas, je te déteste. Non, jamais. C'était sa personne. Mamie, je commence à vivre la Bible les derniers jours. Si je vis la Bible. On fait comme ça que je dis que Jésus, tu es sûr que tu n'es pas moi ou je ne suis pas toi. Merde. Judas reste avec Jésus 3 ans. Tu vois comment Jésus ressuscite les morts. Jésus prend l'eau et transforme en vin. Jésus marche sur l'eau. Jésus fait telle chose. Les gens viennent faire des témoignages. Alléluia, praise the Lord. I want to testify about the goodness of God in my life. Judas est assis avec Jésus. Il regarde. Vraiment, quand j'ai touché l'habit de Jésus, j'ai seulement touché son habit. La maladie de 12 ans là est partie. On dit Alléluia. Judas est assis à côté de Jésus. Écoutez. Quand Jésus pas prié chaque fois à la montagne. Seigneur, je prie pour Judas. Pierre, Jacques, il met tous ses disciples. Après, il met Judas dans la prière. Seigneur, fortifie-les. Seigneur, qu'ils ne soient pas détournés par le malin. Seigneur, comment on va aller dans tel pays demain? Que ça marche. Seigneur, qu'on ne soit pas bloqué à l'aéroport. Oui, il faut que Judas se marie. Ça fait déjà 2 ans qu'il lui dit qu'il faut qu'il se marie, vraiment. Oui, Seigneur, apporte une femme à Judas.
Si Judas était à marier avec les enfants, peut-être. Seigneur, je prie pour. Quand les enfants venaient à lui, les enfants de Judas viennent. Il prend les mains, il impose sur les enfants de Judas. Quand vous lisez le psaume 35, écoutez bien, vous allez comprendre la Bible. Prenez le psaume 35. Jésus jeûnait pour Judas souvent. Il dit ceci. Psaume 35. Verset 12 en descendant. Il me rend le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, c'est-à-dire je jeûnais pour leur guérison. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Seigneur, guéris Judas. Seigneur, guéris Judas. Seigneur, qu'on donne le visa à Judas. Seigneur, que les papiers de Judas marchent. Hé, Judas, que ton donne tes papiers. Hey, je déclare à mon nom, moi Jésus, que tes papiers marchent, Judas. Jésus, pas, il baptise Judas dans l'eau. Jalise, tu parles comme ça là, que le Seigneur t'écoute. Je dis amen à ta prière. Là où je suis plus surprise par quelque chose. Je sais pas, c'est quoi ce soir dans une phase où mes émotions en ont pris un coup. Souvent, il reste des gens, je reste là, quand quelqu'un m'approche trop. Like, tu veux quoi? What do you want? Verset 14. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelais, ça veut dire que tu titubes un peu là. Je pense que tu vas tomber. Ah. Attends, quand tu chancelais hier, je priais pour toi, non? Voilà que je cogne mon pied, je vais tomber aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Regardons ce qui se passe. Beautiful girl. Come please. Give me some water. There's hot water in the kitchen. Put your hand here instead. Doucement, doucement. Thank you, that's it. Pauline, ça t'est arrivé. Bonjour Michel. Tu vois, ne demande pas que Dieu t'éloigne de Judas, parce que je pense que Judas a pris une leçon à Jésus. Et Judas était nécessaire dans la vie de Jésus. Seigneur, expose mes Judas. Que je sache qui c'est. Maintenant, bombarde mes Judas, Seigneur. Lisons, ce n'est pas moi qui dis. C'est David qui a dit. Écoutons ce qu'il dit. Bonjour mes Judas qui me regardent. Bonjour. Vous allez vous reconnaître seul. N'ayez pas moi mis le nom de quelqu'un sur ce qu'il dit là. Quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu. Je vous ai dit qu'on va créer des groupes WhatsApp contre vous. On va faire les réunions secrètes, les appels collectifs de groupes WhatsApp sur votre nom. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches. Vous demandez à Dieu de vous protéger contre leurs pièges. Ma vie contre le lionceau. Je te louerai. Je
je te célébrerai. Que ceux qui sont à tort mes ennemis, voilà les prières Faya que vous devez lancer. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, 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 ah. Regardez Jocelyne. Regardez-la. Regardez-la. Éternel, tu vois, ne reste pas en silence. Ne t'éloigne de moi, Seigneur. Réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur, pour me faire justice, mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. Qu'il revête l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Ceux qui sont contre vous sont nombreux, malheureusement. Mais c'est l'un des signes des choisis. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. En tout cas, beaucoup de personnes ne peuvent pas t'aimer. Avant que tu ne me connaisses, j'étais bloqué, bloqué, bloqué là-dedans. Souvent, tu as les recettes que tu fais. Ah, c'est bon, hein. Ton truc, c'est là, tu fais ça. Ils vont venir voir demander ta recette. Ils vont venir voir comment je fais mes produits. J'ai même des représentantes que elles ont pris mes produits, voir comment je fais pour vouloir dupliquer. Je me dis toujours que mais vous n'avez pas peur de Dieu dans tout ça. So you don't fear God. Qu'arrive dans ton restaurant. Montre-moi ta recette, non? Ah, c'est simple, non, ma copine? Viens, je vais te montrer. Tu mets seulement ça, ça ensemble, tu tournes, non? Tu tournes. Après, ça sort comme ça. La personne les regarde. La personne te cuisine dans son cœur. Agoshuyu. Demain, tu vois, ce sont tes clients qui sont en train de payer plutôt leur dîme chez la personne. J'ai dit, il y a une chanson là que. Il dit, ce qui est pour toi restera pour toi. Vois même le plus grand marabout, il ne peut pas te donner pour moi. La première fois que j'ai entendu la chanson, là, ça a tellement résonné à mon cœur. J'ai dit, ah! Il dit que tu peux être toi comme ça, là, quelqu'un te tue, après il vient lui au deuil. J'ai dit, non, gars, tu es inspiré. Tu es inspiré. Quelqu'un te tue, il porte ses pieds, il met la bille noire, il met les verres. Il vient au deuil. Yeah, Jocelyne! 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 Vous tentez, je vais me lever, je vais vous gifler dans mon secteur. Je vais encore tomber, me coucher. Et vous dis. Il va seulement donner une dernière requête à Dieu avant de mourir. Seigneur, si un de mes ennemis vient prétendre à mon deuil, permets-moi de me lever, je le gifle quand il va passer devant moi. Quand c'est son tour de passer comme ça, je me lève et fais plat. Je me couche encore. Prends bien ma position. Je dors calmement. Il ne me réveillait pas pour dire une dernière parole. Je vous ai tout dit qu'elle était vivante. Oui. Ah.
fait les délivrances et que je partage ce que les esprits là disent dans les gens. C'est que ce sont des choses parfois qui sont inconcevables. Mais les gens le font. Et généralement, quand je partage ça avec vous, c'est pour que vous compreniez que tu peux être avec la soeur de ta mère. Tu peux être avec la soeur de ta mère. Tata, tata, c'est ma tante, non? C'est quand même ma tante, non? Ma chérie, tu la portes dans ton cœur, elle ne te porte jamais dans son cœur. Elle connaît quelque chose sur la mort de ta mère. Même tes dossiers qui sont bloqués là, elle connaît quelque chose derrière. J'ai arrêté, personne ne consulte plus pour moi. Pendant presque 3 mois, 3 à 4 mois, j'étais très souffrante à répétition. Ce qui fait que Dieu a amené des personnes vers moi. Et dit, c'est Dieu qui les met dans ta vie. Hein. Des personnes. Qui pendant un moment on fait semblant et au début ils se sont vraiment donnés, mais ce que j'ai remarqué qui était le problème, c'est que la personne va venir, va croire que je viens d'arriver ici, le chemin est encore long. Je ne coupe pas. Regardez-moi, je ne coupe pas. Je vous dis souvent que j'ai fait souvent des 6 mois, je faisais les directs, j'avais 5 personnes qui regardaient. Ça n'empêchait que je me lève le lendemain. Je viens encore parler. Parce que je connais le message que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais qui est censé écouter ce que j'ai. Allez regarder mes messages 2019. Allez, 2018. 2017. Quelqu'un va venir en 2022. Tu vas faire 2 mois, tu vas écouter mes directs une fois en passant. Tu viens, tu m'approches, tu vois, je suis très simple. Écoutez, quand vous venez à côté de moi, je suis super simple. Je n'aime pas vous. Pour moi, ça ne sert à rien. Je vais vouloir te blaser. Ça sert à quoi? J'ai une jeune fille qui gérait. J'arrête de travailler avec les femmes. Hein. Je ne sais pas, les femmes, c'est rare de trouver des bonnes femmes qui auront juste la... Avant que je rencontre la jeune fille, elle cherchait le boulot. Et vous avez fait comme je dis que ma reine. Je dis à mes employés, appelez-moi madame, ne m'appelez pas ma reine, ne me flattez pas, arrêtez vos bêtises là. Arrêtez. La jeune fille. Et le truc, c'est que la bénédiction qu'il y a sur moi, si je te touche, si je prends ma main, je tends sur toi, genre commençons à travailler ensemble. Je me rappelle même une petite fille, la première personne qui donnait mes produits à Paris. Toujours une de mes petites comme ça. Je sais que de temps en temps, tu passes encore même souvent sur ma page ici. Elle est arrivée en bain. Elle me dit, elle n'est pas de Kaolo. J'ai vu comment elle galérait depuis le dictionnaire qu'on a chéri. L'argent, c'est facile à faire. Comme tu es au centre, là où tu es, on t'a donné ta chambre. Tu n'es pas avec 6 personnes dans la chambre. Je t'envoie les produits. Tu ne payes pas l'envoi. Tu ne payes pas la... Donc, tu restes comme ça, là. On t'appelle, madame, vous avez reçu le colis. Tu passes avant de donner la valise à la gare du Nord. Tu rentres chez toi. Je donne ton numéro. Les gens t'appellent. Ok, je viens récupérer le colis. C'est tout ce qu'elle faisait. On a fait 2 mois.
L'argent révèle le cœur des gens. Une petite, donc, petite fille. J'ai dit que 23 ans. En un mois, la fille qui galérait pour avoir même les 500 euros. Donc, souvent, elle se faisait le froid, je regarde. J'ai dit, ok, ton babysitting que tu fais là, fais ça. Quand les clients t'appellent, si tu finis le babysitting à 16h, dis-leur que je suis disponible à partir de 16h. C'est tout. Et si tu fais le babysitting, tu as le temps, parfois tu le mets quand les enfants sont en train de jouer, c'est là où tu regardes les messages, tu réponds. Ah ah. Elle commence à se faire les 250 euros la semaine. Souvent, quand elle vend comme ça, la pape, elle dit voilà. Et le truc, c'est quand même, la bénédiction de l'Éternel fait comment? Parfois, tu peux rester, tu touches 2000 euros de quelqu'un. Le fait seulement que tu as les 2000 euros là dans ta poche, ça change ton état d'esprit. Ça apporte, ça t'attire encore l'argent. Et reste comme ça là. Tu vois, que j'ai même mis 500 euros ici là, ou 2000 euros, je fais comment de ça? Que c'est beaucoup. Je sens que ça fait longtemps que l'enfant cela n'a pas touché beaucoup d'argent dans sa main. Souvent, il dit que garde, garde. Un mois passe. Deux mois. Je sens comment la petite commence maintenant à me manquer de respect. Il dit que, ah, ah. Souvent, je la contacte et je lui dis que voilà, il y a des clients qui se plaignent. On peut parler quand? À quelle heure? Oh, je n'ai pas le temps, hein, je n'ai pas le temps. On est lundi, elle dit que c'est jeudi qu'elle a le temps. Il dit que même le soir, quand tu rentres, non, non, je n'ai pas le temps. Je dis, ok, j'observe seulement. J'observe. Et les produits spirituels, hein? On prend peut-être le parfum. Ça, c'est Onalia. Seulement le fait que tu touches. Le fait que tu prennes, mais tu touches mes produits pour donner aux gens. Le fait que tu touches mes produits comme ça, là, tu prends, tu donnes à quelqu'un. Écoutez. La bénédiction que Dieu a mise sur moi, j'en suis consciente. Et même quand je travaille avec les gens, si tu commences à dire, j'ai toujours tendance à vouloir qu'elle travaille avec toi, je veux toujours. Quand même, je dis que tu as besoin de prospérer, ton esprit doit prospérer. Un bon matin, je me suis levée, j'ai dit que mamie, il te reste combien de produits là-bas? Mets dans la valise, tu donnes là-bas à quelqu'un. Même s'il dépose dans son garage. Même s'il dépose dans son garage. Pareil que ce que j'ai pris au pays. Souvent, elle reste comme ça. Il y a quelqu'un qui te dit que elle reste parfois un mois, elle ne voit même pas 50 000 dans sa main. Elle reste à dire que j'ai 800 000 dans ma main qu'on a travaillé cette semaine. Je fais comment de ça? Je fais comment de ça? Deux, trois mois plus tard, tu te rends compte que la personne part dans ton Orange Money. Quand j'ai vu les relevés de Orange, parce que ce que vous oubliez, c'est qu'il y a les relevés d'Orange Money. Vois comment, retrait de 50 000, retrait, transfert de 25 000. Chaque jour, la personne partait dans le compte Orange Money. Oh, il y a combien qui est arrivé? Dans son compte. Je reste, j'ai dit que mais, la recette de la journée, c'est quoi? Je regarde, je dis que non, 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 non. Et l'arrogance avait commencé. Toujours une petite fille. L'arrogance. L'arrogance hautaine. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Non, 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 non. J'ai dit que y est. Oh, Seigneur. Ok. C'est un truc. La vie est très longue. Il y a des gens qui ont escroqué 500 millions. C'est fini. Donc tu portes 500 millions, ça tu crois que tu as tué. L'argent l'a fini. La vie, c'est... La vie est délicate. Et je leur dis souvent que pour que je travaille avec toi, tu peux savoir le nombre d'esprits qu'il y a en toi que je dois combattre.
Parce que très souvent, vos familles vous ont bloqué. C'est pour ça que tu es là depuis 6 mois. Tu n'as pas pu avoir 50 000 chaque mois. Tu vis chez ta tante. Beaucoup de personnes qui sont bloquées dans la pauvreté, ce sont des personnes que leur cœur n'est pas pur. Mais oui, non, Reine Foster, que tu as quoi que je n'ai pas. Je dis que ma chérie, je peux même porter l'habit qui est moins cher que pour toi. Et te dis, je peux aller au marché, j'achète le t-shirt de 500 et mets sur moi. Il m'en fout. Ce n'est pas mon habit qui me détermine. Ce n'est même pas mon corps qui me détermine. Ce n'est pas ma chair. Va commencer à te... L'insolence, c'est un esprit que quand ça entre dans toi, ça prend ton cœur. Et généralement, quand c'est comme ça, il y a quelqu'un autour de la personne qui lui a parlé. Le diable est toujours comme ça. Parfois, c'est son gars. Vous êtes rentre le soir, vous allez fatigué. Oh, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Son gars dit, montre. 500 000. Ah, chérie. C'est que dans mon travail, on me paie 150 000. Elle, elle te paie 90 000. Chaque jour, elle fait 500 000 avec toi. Non, 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 non. Alors que au début, la personne t'a supplié. Que pardon, je t'en prie. Donne-moi une chance d'avoir au moins ce, même mes 50 000 chaque mois. Que c'est chaud sur moi. Tout dans la vie, c'est un test. C'est un test. Et quand Jésus a dit que si tu ne connais pas t'occuper de pour quelqu'un, qui va te donner ta part? Et après, il dit, la même mesure que tu mesures à quelqu'un, on va mesurer ça pour te donner. Mira, je dois travailler les personnes qui ont déjà géré l'argent avant. J'ai même pris récemment quelqu'un que la personne ne manquait pas l'argent. Quand la personne te sort sa dîme comme ça, là, ce n'est pas les petits agents. Même cette personne-là, quand j'ai vu ce prêt, je me suis dit que hey, finalement, c'est quoi alors? C'est un problème de cœur. It's a matter of the heart. C'est le cœur. Et je vous dis encore, tout c'est le test. Tu peux rester 10 ans. Tu es testé. Testé. Tester. Dieu est en train de forger un caractère. Tu arrives comme ça, tu gères. Joseph a géré le domaine de Potiphar. Joseph aurait pu passer derrière et prendre sa femme. Parce que là, c'était le dernier degré de manque de respect qu'il pourrait faire. Joseph a passé ses années de test. On lui donne l'autorité, on lui donne l'argent. Que j'ai tout ce que j'ai. Sauf ma femme ne touche pas. Imagine, ça fait 3 mois, Joseph est arrivé comme un esclave. Aujourd'hui, on dit que c'est... À partir d'aujourd'hui, c'est Joseph qui va vous commander. Imagine d'abord la haine. Je suis sûr qu'on a détesté Joseph chez Potiphar longtemps. Il se prend pour qui? Petit, tu nous as trouvé ici. Tu es arrivé ici, tu ne connaissais encore rien. Il a passé le test chez Potiphar. Parce que à tout moment, il y aura toujours la tentation qui va se présenter. Et la tentation vient pour voir, il y a quoi dans ton cœur? Enfin, la tentation vient comme ça, ça ouvre, ça regarde. Il y a quoi dans ton cœur? What is in your heart? Joseph aurait pu se dire, un coup. Je suis tombé amoureux. D'un coup. Il prend la femme de Potiphar, il dit que seulement un coup. Incho. Non. Celui qui nous teste, l'examinateur, on ne le voit pas. C'est ça qui me plaît. L'examinateur, le surveillant général, on ne le voit pas.
Et si vous regardez toutes les fois où vous êtes tombé, soit quelqu'un vous a. Vous-même qui m'écoutez, il y a eu des moments où vous avez trahi des gens. Après, tu as compris que non. Malgré le fait qu'elle ait trahi, il n'est pas tombé. Parce que là, il y a des gens qui. Tu voles même tout son argent. Le mois prochain, il a encore. Je vous assure. Et c'est toi qui as volé qui paie. L'autre jour, je parlais avec un de mes frères. Il me dit qu'il travaille avec un milliardaire là. Et il me dit que le milliardaire, que un, il a des stations d'essence à l'endroit là. Un de ses gérants de station a porté 50 millions. Il est parti avec. Il dit que quand il a porté 50 millions là, il dit que le monsieur a encore mis un 100 millions pour ouvrir un autre truc quelque part. Quand il me disait ça, j'ai rien, j'ai dit que oui. Quand tu as déjà atteint un degré, même si on vient en porte aujourd'hui, demain, ça va encore venir comme les mancubes. Vous croyez que les 50 millions, les va partir, va faire quoi avec? Il ne connaît pas produire 50 millions, il connaît voler 50 millions. Indifférence. Indifférence. Il ne connaît pas gérer 50 millions pour produire un autre 50 millions au-dessus de 50 millions. Il connaît voler 50 millions. Ça, c'est une autre dimension là-bas. Et ceux qui sont dans la dimension de création de richesse, création de richesse, il n'y a pas la peur. Quand Jésus a dit que détruisez ce temple, je le construis en 3 jours, Jésus connaissait, he knew his craft. Jésus connaissait de quoi il est capable. Quelqu'un va venir peut-être consulter certains de mes clients. Et vous, les clients là, que vous aimez vos trucs là, écoutez, hein, épargnez-moi. Je suis suivi par telle personne. Écoutez, vous me savez, vous me connaissez. Je ne suis pas les gens. Je fais mon direct, tu veux te regarder, tu regardes. Tu vois un truc que tu vas faire ou acheter, tu achètes. Si tu crois que je vais m'écrire en inbox pour faire mes faveurs, pour m'envoyer 5000 francs d'offrande, va faire ça à une autre personne. Ne me fais pas ça. Je ne fais pas de lèche-pot. Ben, c'est toi demain que tu vas encore aller tourner, raconter pour gâter mon nom. Je vous connais. Je suis suivi. Il n'y a pas de suivi dans chez Gifts Academy. Il n'y a pas de suivi. Je vous dis cash, il n'y a pas le suivi. Le jour où on parle de lavage, ça t'intéresse. Tu vois le numéro là. Ok, tu écris. Bonjour. Voilà le numéro sur la page. Mes numéros officiels sont sur cette page. Il y a des gens avec lesquels j'ai travaillé, que quand quelqu'un entre dans la salle de consultation, il donne son propre numéro. Que voici maintenant le numéro avec lequel on va te suivre. Un jour, une femme est venue me trouver à Douala comme ça, je l'ai grondé. Tu pars en ligne et tu vois notre numéro. Tu contactes. On te dit, viens à Makepe. Tu arrives à Makepe, je suis souffrante. Quelqu'un te consulte. Dans la salle de consultation, la personne te donne son numéro. Maintenant, tu commences à parler avec la personne. Tu reviens encore chez moi pour me voir pourquoi. J'ai dit encore, ce qui est pour moi restera pour moi. Ce qui n'est pas pour moi, oulala, ça va trouver son chemin seul. Ça va partir. Et quand tu pars comme ça, la place que tu libères là, aussitôt que tu es quitté, une autre personne va entrer dans la place là. Voilà comment je gère mes choses dans ma tête, dans mon esprit, dans mon business. Tu te lèves un matin, tu vas trouver sur ton téléphone. Je suis venu toquer à ta porte pour faire la prospection? Non. Quand j'étais assis une heure de temps pour me regarder, est-ce que j'ai mis la corde sur ton cou que regarde-moi, regarde-moi? Ce que j'ai dit a résonné avec ton esprit. Ça a résonné, ça t'a réveillé. Tu as dit non. Utilisez votre discernement. Et les bébés spirituels, je n'en veux pas. Et s'il te plaît, j'ai fait ça comment? J'ai fait l'autre aussi comment? J'ai dit que j'ai mis les vidéos en ligne. Parfois, en cherchant une vidéo de quelque chose, tu tombes sur une autre vidéo qui t'aide jusqu'à... Parce que c'est ce dont tu avais besoin le temps là.
Et si vous regardez dans les saisons, j'ai des saisons d'enseignement qui diffèrent. L'année passée, surpassée, je dirais, on est en 2023, j'enseignais beaucoup vers novembre 2021. J'enseignais beaucoup sur les choisis. Comment savoir que je suis choisi? Comment savoir que je suis choisi? Comment savoir que je suis choisi? Donc, si tu passes sur YouTube, tu défiles dans les vidéos, tu vas tomber sur beaucoup de ces vidéos-là. Comment parler aux ancêtres? Comment parler aux ancêtres? Comment connaître ces plans sur YouTube? Et croyez-le peut-être pas, mais il y a des gens que quand ils tombent sur mes vidéos aujourd'hui, là, en 2023, ils ont fait aussi leur croissance ailleurs, ils ont grandi ailleurs. Quand ils tombent sur mes vidéos, tac, dès que la personne m'écoute aujourd'hui, son niveau est déjà, oh, j'attendais seulement ça. La personne commence le bain de pipi le même jour. Tac, 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 une semaine, ses choses sont en train de s'ouvrir. Et la personne a développé la discipline spirituelle. J'ai causé avec une jeune fille comme ça, elle me dit qu'elle me suit depuis novembre. Elle est au Canada. Je lui dis, waouh, la façon dont la fille, je vais même appeler les consultations, je les appelle maintenant conversations. Je fais des conversations avec vous, donc on va changer, je vais demander qu'on change le mot là-bas. Je veux une conversation avec la reine Jocelyne, je ne veux plus les tout. Le mot consultation, c'est un peu comme si j'étais malade. Je veux une conversation. La fille s'est assise, elle a fait son diagnostic elle-même. Elle dit, voilà, tu sais, depuis que j'ai commencé à te suivre, voilà, le bain de pipi, j'ai acheté le sel, je fais le bain de romarin, ma baignoire, une fois par semaine, je me plonge dans la baignoire, je fais ceci. Je dis, waouh, j'ai des gens qui me suivent depuis 6 mois, 1 an, que c'est une fois par semaine qu'ils se lavent en passant avec le sel. Elle dit, le bain de pipi, je ne blague pas. Elle me dit, la première semaine que j'ai fait le bain de pipi, je suis tombée malade parce qu'elle croyait que j'avais même la COVID. Ça m'a secoué. Maintenant, ça va un peu. Donc, elle s'est assise, elle m'a décortiqué. Elle a parlé peut-être même 20 minutes. Après, maintenant, quand elle parle, j'écoute que, ok, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Et ce que je lui ai même dit, c'est les choses que les ancêtres lui disaient déjà. Elle savait déjà dans son esprit. Je parle. Elle dit, c'est vrai. C'est vrai. Je reste souvent comme ça, là. C'est vrai. Parfois, vous avez besoin de confirmation pour continuer votre travail. Elisabeth, hier, il y a eu beaucoup de délivrances. J'ai eu beaucoup de messages en inbox. Il y a des gens qui ont eu des trucs gluants qui sont sortis de leur corps. Il y a des personnes, il y a eu beaucoup de délivrances hier. Même ceux qui vont regarder le direct encore plus tard. Hier, il y avait une notion particulière. La puissance que j'ai sentie dans mon corps hier, là, c'était vraiment... Et ce direct-là, je l'ai fait parce que depuis le 31 janvier, le Seigneur, il y a une décision. Il y a quelqu'un que je dois éliminer de mon entourage. Le Seigneur me mettait ça à cœur depuis. Et je demandais la force que Seigneur, si c'est que cette personne-ci là est nocive pour moi. Seigneur, confirme, montre, établis, celle. Je vous assure que quand la personne est partie avant-hier soir de tous mes plans, donc j'ai finalement eu le courage de dire, ok, c'est bon, j'arrête avec toi, je coupe. Je me réveille le matin, je sens une énergie différente. Il y a des gens que tant que ces personnes ne quittent pas à côté de vous. Parce que quand ces personnes sont là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne savez pas quoi, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et j'ai déjà eu beaucoup de ces situations dans ma vie. Ce ministère est lancé depuis 2017 que je suis sur les réseaux sociaux. Donc en 2010, en 2021, j'étais dans une relation avec quelqu'un que je crois qu'on avait une attache d'âme carrément. Hein. Parce que la personne faisait du yo-yo dans ma vie. Il entre 6 mois, après il part. Après, Dieu me dit, enlève cet homme, j'enlève. Après, je reste encore comme ça. Là, financièrement, c'est chaud. Je dis encore que ah, peut-être je vais encore le reprendre. Il vient. Donc, de façon ultime, ce soir-là, Dieu me dit, il m'avait dit deux choses. J'avais dans la bague de fiançailles. Il me dit, enlève la bague.
c'est pas à toi de cette personne. Deuxième chose, arrête à la radio, parce que je partais à la radio. Tous les soirs, je parlais à la radio Balafon. Et à la radio Balafon, je ne parlais pas des choisis, je ne parlais pas du spirituel. Ce qui fait que parfois, il y avait des débats qu'on faisait là-bas qui étaient très... Il y avait des débats qui étaient très, très sexuels, pervertis. Et ça ne rendait pas justice à ce que je suis appelée à faire. Donc, j'ai arrêté les deux choses. Il n'a même pas fait 3 semaines. Cette partie des choisis a commencé. Chaque fois que j'ai eu des personnes autour de moi, qu'on m'a dit, coupe. Et tu vois, quand on te dit coupe, parfois tu hésites. Ah, peut-être que c'est moi qui exagère. Ah, tu vas passer ta vie à couper les gens. Ah, donc tu es quelqu'un que tu n'as pas d'amis aussi. Ah. Mais quand tu te décides et tu... Je pense que pour faire ces coupures, il faut aussi demander demander la présence, l'assistance du Saint-Esprit. Parfois, il y a des attaches d'âme négatives dans ta vie qui font que tu dis oui, j'arrête ça, j'arrête au nom de Jésus. Le soir, hein, si c'est une relation sexuelle, le soir, vous avez fait l'amour jusqu'à... Quand tu vas finir, tu vas te coucher sur lui, tu vas dire que, ah, Seigneur, j'ai dit à 16 heures que je ne faisais plus, je ne voyais plus la personne sinon. C'est comme si c'est comme si la fronde que tu tires, dès que tu dis que je ne veux plus, c'est bon, j'arrête, je coupe tout lien, tu lâches comme ça, là, ça revient encore sur toi, bam, tu dis que yay. Vous saurez très bien de quoi je parle. Chantal, t'aime quoi. Tu te sentis légère hier. Nous scellons cette joie. Nous déclarons que cette joie ne partira pas au nom de Jésus. Et c'est là que tu comprends que il faut... C'est le pouvoir qui libère la puissance. Et chaque fois que tu te libères, tu montes à un autre niveau. Tu te libères, tu montes à un autre niveau. Tu te libères, tu montes à un autre niveau. D'accord, Chalise, j'ai vu ton message. De rien. Chaque... Supposons que tu es là où tu es là. Ton niveau financier, peut-être, c'est 5 000 $ par mois. Prenons un peu au Cameroun, tu es dans les 200 000 au mois. Dieu veut t'amener à 700 000 au mois. Tu as des gens dans ton entourage, premièrement, qui bloquent l'entrée des nouvelles personnes. Parce que l'argent vient avec les nouvelles personnes, les nouvelles connaissances, les nouvelles... L'argent vient avec... Je ne sais pas quoi dire. Parce que l'argent ne va pas tomber du ciel. Ça va venir par quelqu'un qui va se connecter à toi, qui va se rappeler de toi, qui va se reconnecter à toi, des trucs comme ça. Là. Donc, quand cette puissance arrive, comme hier par exemple, et que ça te délivre, tu ne sens plus l'envie. Parfois, il y en a déjà des gens, j'ai des époques de ma vie où je mangeais énormément. C'est comme si émotionnellement, j'étais tellement affaiblie. Et je devais manger. Je sentais que je dois manger. Ah, ça me soulage pendant 1 heure. Après, je me réveille. Je suis stressée. Non, Seigneur, je suis stressée. Pourquoi ça boue, quoi? Il faut que je mange. Je connais toutes ces étapes. Je prends même l'entraîneur personnel. Je pars au premier cours. Je dis qu'il veut perdre le poids. Parce que cette faiblesse, ce qui te cause, ce qui te fait manger, c'est une énergie négative qui vient de quelqu'un. Soit de quelque chose que tu as accepté. Parfois, tu es en train de collaborer avec quelqu'un et Dieu t'avait dit, arrête de collaborer avec la personne. Parfois, tu es en train de partir, tu vis dans un endroit, Dieu t'a dit, sors de cet endroit. Je ne sais pas quoi.
Mais généralement, quand émotionnellement, tu te sens très faible, tu ne peux pas prendre une décision et tenir la décision dans ton environnement. Il y a des choses que tu n'as pas faites ou que tu as acceptées et tu sais que tu devrais arrêter. Et je dis encore, ça ne vient pas facilement. Tu ne décides pas seulement comme ça, là, ça, tu arrêtes. Et dès que tu coupes, mais de rien, Marie, Madeleine, dès que tu coupes, tu te sens légère. Tu restes comme ça, tu dis, mais attends, il est midi, je n'ai même pas encore faim. La semaine passée, je restais comme ça à 6 heures, j'avais la faim, non. Tu cherches autour de toi. Ah, je me suis libérée. Je me suis libérée. Avant, je faisais le shopping, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller faire du shopping en ligne. TikTok, je ne pouvais pas laisser TikTok, 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 TikTok. TikTok, 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 TikTok. Netflix, 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 Netflix. Je reste. Je reste comme ça. Je passe mes journées, je suis là, ah tiens, il faut que je travaille sur tel projet. J'ai même Netflix, mon corps ne veut pas regarder Netflix. Et pas même sur TikTok. Alors que la semaine passée, je passais des heures sur TikTok. Ce problème énergétique-là, c'est quelque chose que, écoutez, hein, ça vous dérange, vous ne savez même pas. Le truc, c'est que quand c'est fait, c'est quelque chose de très subtil. Et c'est comme ça te contrôle, en fait. C'est comme ça te guide. M'a dit pendant ton sommeil, quelqu'un t'a dit que je dois travailler sur toi. Ok? On a dit que je dois travailler sur toi. Tu vas me dire dans le direct, Emily. Hein, Mazonga? Envoie ta photo pour le lavage. Je vous ai dit que c'est le dernier jour aujourd'hui. Je devais arrêter hier normalement. Envoie la photo pour le lavage. Fais au moins le lavage, ma chérie. Le problème, c'est que parfois les ancêtres vous guident, mais vous n'obéissez pas. L'obéissance immédiate est très importante. Très. Et l'indépendance émotionnelle. Parce que c'est dans ton âme qu'il y a les émotions. C'est dans ton âme que tu sens parfois le... Et quand ton âme est comme ça là, tu portes, parce que les choisis sont aussi comme des empathes. On absorbe beaucoup l'énergie des gens autour de nous. Parfois tu peux même vivre avec quelqu'un. Ou bien au boulot, tu es entouré de Decepticons. Ou bien entouré de personnes que leur cœur n'est pas bien sur toi. Juste le fait que tu arrives au bureau, tu t'assois à côté d'eux. Toutes leurs énergies là, c'est comme si tu absorbes ça. Parce qu'il y a des gens, il y en a parmi nous, on est comme des guérisseurs. On n'est même pas comme on guérit. Ce qui fait qu'on absorbe. C'est pour ça que quand les gens sont autour de toi, ils aiment venir à côté de toi parce qu'ils se sentent bien. Je ne sais pas, j'aime venir à côté de toi. Faites très attention quand quelqu'un vous dit ça. Parce que quand il se sent bien, là, tu prends ces trucs. Je ne sais pas quoi, mais tu prends ça. Et oui. Et quand tu prends ça, généralement, tu sens. C'est pour ça que quand vous faites vos lavages, les bras, lavez beaucoup vos bras. Parce que c'est un peu comme si tu sentais comme s'il y a des trucs qui viennent s'agripper sur toi, c'est comme ça. Écoutez souvent les émotions de votre corps. Écoutez. Il y a les bras et puis il y a l'estomac et aussi ton cœur. Tu sens comme s'il y avait quelque chose qui faisait comme ça sur ton cœur. Il n'y a que les personnes qui sont... Je sais que vous comprenez ce que je dis. Et moi, généralement, je fais mes directs au moins une heure parce que c'est que je ne cherche pas la masse. Si quelqu'un n'est pas, si c'est que ceci ne te parle pas, tu vas me regarder, ah, elle va là-haut de quoi, tu vas quitter. Et c'est tant mieux. Parfois, il y a même des jours où tu auras besoin de te laver même 3 fois. Parce que tu as fait le matin d'abord. Tu es sorti. L'esprit t'a dit peut-être que ne repars plus là-bas. L'endroit là, ne pars plus. Parfois, c'est le téléphone. C'est pour ça que je vous dis que je ne parle pas avec n'importe qui.
Bonjour la reine Raïssa. Je peux parler n'importe qui. Même les voices, quand on me fait les voices là, j'écoute très difficilement vos voices. Parce que ta voix porte ton énergie. Les voices portent les énergies. Il suffit seulement que j'entende d'avoir le genre bonjour, stop. Ton bonjour là, je peux te parler de toi avec ton bonjour. Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous dis sont esprit. Les paroles qui sortent de ta bouche, ça porte l'esprit qui est en toi. Et parfois, il y a des esprits qui sont malades. C'est pour ça qu'ils viennent trop autour de toi. Tu restes comme ça. Comme ça là. Reste. La personne dit, oh, je peux venir chez toi? Non, ne viens pas chez moi, ne m'appelle pas. Donc, homie, ne m'appelle pas. Je parle très peu au téléphone avec des gens. Même si quelqu'un me drague là, ah pardon, il n'y a pas mal de temps. Je parle très peu au téléphone. Les amourettes alors. Pardon. Oh Seigneur Jésus. Parce que tu prends leurs énergies sans le savoir. Et les énergies, quand tu les prends, tu peux sentir les inquiétudes de la personne. Pour ceux qui sont déjà à un certain niveau spirituel, il suffit que tu vois, tu fais là-haut, l'appel vidéo à l'OE, à éviter. Appel vidéo à éviter. Nous voilà au téléphone. Je t'assure, même si on fait la capture d'écran, le visage de la personne que tu vois sur l'écran, ça te dit tout de la personne. Et pas que ça te dit seulement, mais ça vient sur toi. Oui, quand tu entres quelque part, tout ton corps vibre, voilà. Raïssa Talom, j'ai donné jusqu'à midi aujourd'hui pour les lavages. Donc, après ce direct, tu vas prendre un des numéros sur la page, 680 ou 693. Tu envoies d'abord ta photo et ton nom. Et tu vas faire le paiement aussi. Et le point, c'est que ces gens-là qui viennent pour s'agripper sur toi, ce n'est même pas eux, ce sont les esprits qui sont en eux. Toi, tu te laves déjà avec le sel, ce qui fait que n'importe quel esprit ne peut plus venir sur toi n'importe comment. Enfin, tu sors avec un homme qui n'est pas... Il s'en fout de toutes ces choses. Dès que tu finis de coucher avec lui, tu pars, tu te laves, tu te purifies. Tous ces mauvais trucs qu'il a pu te donner dans l'acte sexuel, là, ça quitte. Ce qui fait que quand tu ressors le matin, là, les autres personnes de ton service... Eux, ils ont encore ça sur eux. C'est pour ça que souvent tu rentres dans un endroit, la réceptionniste te déteste pour rien. Tu dis bonjour. Bonjour madame. Asseyez-vous là-bas. Ce n'est pas elle qui fait. Elle s'est soumise. Il y a un esprit qui est sur elle, qui elle s'est assujettie à un esprit. Ça veut dire qu'elle a soumis son corps à l'influence de cet esprit. Maintenant, c'est à toi de discerner, parce que le but de cet esprit, c'est de t'énerver. Il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux à un moment, où il décrivait la colère comme une balle que tu... Quand tu te fâches avec quelqu'un, tu lances sur la personne prend aussi. Il marche avec, il marche. Après, il avait quelque part, pourquoi j'ai fait ça? Il lance la balle sur l'autre personne. Vous voyez la balle là comme des esprits. Et parfois, quand tu restes, les idées qui te viennent là, il y a des personnes que leurs idées sont inspirées par les esprits qui assurent eux. Vous voyez un peu comme ils sont là, comme ça. Quelqu'un te voit, l'esprit là le pince. Il s'énerve subitement. Tu n'as rien dit. Mais l'esprit qui est en lui, qui est mauvais là, il sent l'énergie positive en toi. Et il pince la fille là. En ta présence, elle est mal à l'aise. Il voit ton visage, ça l'énerve. Je ne sais même pas comment je peux vous expliquer ça.
On est un peu comme des marionnettes. Et quand on se rencontre, l'esprit qui est au-dessus de moi, l'esprit qui est au-dessus de toi, se voit avant qu'on ne se voie physiquement. Ça, c'est spiritualité plus plus. Les petits, là, vous allez sortir de la salle parce qu'on n'est pas comprendre. Donc, quand je suis encore en route, en train de chercher, est-ce que pas là-bas? Je dois aller là-bas. Normalement, je suis senti partir voir tel endroit, tel, tel. Ton esprit, là, qui est pur, qui ne veut pas, il te dit ne pars pas là-bas. Parce qu'en avance, il a vu que quand tu vas arriver à la gare du Nord, là, mais à Château Rouge, là, la dame qui t'attend là-bas, l'esprit qui est sur elle, là, va vouloir te gâter la journée. Non? Si tu es quelqu'un que tu es, c'est pour ça qu'on dit être guidé par l'esprit. Tu restes osé te dire non, pas plutôt là-bas. Mais tu dis, mais non, je suis censé aller, j'ai promis que je devais. Toi, tu vas aller comme ça. Il te dit que non, va là-bas d'abord. C'est pour ça que hier, par exemple, je devais faire les lavages hier. J'avais déjà tout mis, tout était là. J'avais tout apprêté. L'esprit me dit, fais le direct. Parce que vos esprits qui attendaient déjà ce qui devait sortir de ce direct étaient déjà demandés. C'est pour ça qu'on dit toujours que les choses qui se passent dans le physique commencent d'abord dans le spirituel. J'ai beaucoup de personnes quand ils viennent me voir et que leur décepticon esprit là, les esprits qui les possèdent là, parlent. Ils disent qu'on leur a dit de ne pas venir ici. On leur a dit de ne pas venir te voir. Parce que je vous ai dit que ces gens-là me connaissent. Vos gens-là me connaissent. Une jeune fille est venue l'autre jour. L'esprit a dit que l'esprit, c'est sa grand-mère qui l'a amenée ici. Et sa grand-mère est déjà morte. L'esprit, c'est sa grand-mère qui l'a amenée ici. On a dit de ne pas venir. Parce qu'elle me regardait chaque jour dans le truc. L'esprit lui disait que pas. Maintenant, les esprits assujettis là, qui contrôlent son corps, ils bloquent les finances. Ils mettent la colère en toi. Tristesse. Ça dépend de je ne sais pas quoi. Mais c'est comme ça que finalement, elle voit le premier obstacle. Après, elle dit, ah, je n'ai pas l'argent, je n'aime pas, pas. Le lendemain encore, elle se lève. Elle tombe sur la vidéo. Après, elle dit encore, ah. C'est pour ça que c'est important d'écouter l'esprit. Et généralement, les choses de l'esprit, généralement, les choses de l'esprit n'ont pas de sens mental. Genre, it doesn't make sense. Like, pourquoi tu. Non? Ça n'a pas de sens. J'ai besoin de 5 millions pour lancer mon business ou pour faire mes papiers pour partir. Je croyais que c'est mon père qui doit me donner l'argent là. Parce que mon père a l'argent. Merci pour les gens qui ont partagé ma vidéo et merci pour les likes. Likez ma vidéo avec vos grosses têtes là. Likez ma vidéo. J'ai 100 personnes connectées, j'ai 80 likes. Je vous ai dit de créer les faux profils pour me suivre. Parce que vous ne voulez pas que vos décepticons vous voient. Et c'est normal. Mais si vous ne likez pas ma vidéo, vous ne partagez pas ma vidéo, les gens ne vont pas regarder. Flora, bonjour. Et le spirituel, hein. Il dit toujours que quand quelqu'un veut me voir, demandez à Dieu. Hey, diamant rouge, tu viens d'arriver sur ma page. Moi, j'insulte souvent. Hein.
Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Diamant rouge. Okaja. Tu veux que je t'explique? Je t'explique comment je suis. Je peux te caresser. La prochaine minute, je te gifle. Après, il te caresse encore. Après, il prend le pilier dans la mamie et te donne. Il dit que mange. Quand tu m'as dit, mouffe ta grosse tête. Je t'assure. C'est comme ça que je suis. Oh Seigneur. Parfois, je me demande moi-même, est-ce que je suis normale? Quelqu'un m'a insulté hier. Il me dit que tu es folle, tu es ceci, tu es égoïste, tu es méchante. J'ai dit que, hey, tu me connais, c'est moi là-bas. Parce que la personne est venue derrière moi croyant que, guettant mon argent. J'ai dit que mon père n'est pas Rockefeller. Mon père n'était pas Photo Victor. Mon père ne m'a pas laissé un héritage quelque part. Je vous dis, il me lève chaque matin, j'ai cherché mon argent. Donc quand il voit quelqu'un qui s'assoit, il dit que, oh, tu ne veux pas me lancer. Tu ne veux pas me lancer. Il dit, ah, tu es méchante, tu es ceci, chérie. Il dit que tu ne me connais pas. Je peux te dire aujourd'hui que, bon, demain matin, on va partir à, je sais pas, je cherche une destination quelconque. Tu te couches dans la nuit comme ça, tu dis que bon, demain on se lève, on part là-bas. À 3 heures de la nuit comme ça, là, on me parle, je me réveille. Non, on ne parle plus. Le matin à 6 heures, quand tu te réveilles, tu es apprêté là. On ne parle plus. Parfois, j'ai les bonnes intentions, je dis que bon, je vais te sponsoriser. Je vais te prendre, je vais te connecter à telle personne qui va t'amener à tel endroit. Ça, c'est l'intention que j'avais sur toi. Mais ton cœur sur moi n'est pas pur. Je me lève le matin. J'ai dit que je partais à la banque pour signer tel papier avec toi. Oui. Je me lève le matin. Je vais aller faire mon coffin-jard. La banque, c'est comme ça là. La banque, c'est tout droit devant. L'esprit me dit que va à gauche, ne pars pas à la banque. L'esprit me dit que ne pars pas à la banque. Je dis que c'est quoi? On est au taxi pour la banque. Hein. Ha! Moi, c'est là, mof. Même les fous m'appellent folle. Je suis dans le taxi pour aller à la banque avec toi, pour signer le papier comme ça là. J'étais dans le taxi, je dis que tu sais quoi? Plus je m'approche de la banque, plus il y a quelque chose qui cloche. Je ne pars pas à la banque. Chauffeur, tourne-tu pas à me déposer là-bas. Le taxi va me déposer là-bas dans mon endroit où je partais. Que je ne savais pas qu'il partait là-bas. Mais en gros, on m'a dit que pas plutôt là-bas. Vous allez bien comprendre. Écoutez, quand vous allez vouloir parler avec moi, que on va plus parler de consultation, mais de conversation. Je vais une conversation avec la reine. Sachez que vous allez vous demander à parler avec une folle. Je vous dis d'abord en avance. Tu peux venir, on a la consultation. Je suis gentil avec toi. 2 semaines plus tard, tu me dis, oui, on s'est parlé l'autre jour. Ah, c'est toi. Je suis bizarre maintenant avec toi. Maintenant, quand le taxi va me déposer là où moi je partais, que je ne savais même pas qu'il partait là-bas. En route pour aller là-bas, ton comportement à toi, tu commences à te fâcher. Hein? Tu m'avais promis la banque là, pourquoi? Hein? Voilà, tu es une menteuse. Ton vrai cœur commence à sortir sur moi. On est en route pour partir dans une autre destination, alors qu'on partait d'abord à la banque pour qu'ils portent l'argent pour te donner. Parce que tu prétendais. Et parfois, il y a des gens qui sont tellement. C'est pour ça que demandez à être dirigé par l'esprit. Point. Rien d'autre. Que votre sexe ne vous dirige pas. Que vos émotions ne vous dirigent pas. Comment on partait à la banque, arrivé à 500 mètres de la banque, je dis que je ne pars plus à la banque. Je fais tourne, tu vas me déposer plutôt par là. Quand il tourne, que toi, avec qui je partais à la banque, tu commences à m'insulter. Quand ça m'est arrivé très, très, très long. Très souvent, ça m'arrive. Quand je vois ton vrai comportement, je regarde ça là. Tu m'insultes, je crois que ça va m'énerver. Je ris. Je ris. Oui, tu es égoïste, tu es menteuse, tu utilises les gens. Je ris. Ah, tu es venu, tu pensais que je suis une boutoukou, non?
Tu pensais que tu bêtes, non? C'était ton ultime test et tu l'as échoué. Parce que les gens deviennent de plus en plus skillful. C'est-à-dire, ils deviennent rusés, ils deviennent fins, ils deviennent des maîtres dans l'art de la prétention. Et quand tu les regardes comme ça, là, tu dis. Je n'aurais jamais pu imaginer. Oh non, moi je suis sérieux, hein. Non, moi, tu sais, je ne suis pas comme les autres. Non, vraiment. Moi, je suis sincère. Je ne suis pas hypocrite, hein. Ne me dis pas qui tu es. Montre-moi qui tu es. Don't tell me, show me. Et c'est le temps qui montre tout. Le temps. J'ai très peu d'ex comme ça dans ma vie. Très peu. L'un des plus anciens. On a toujours de très bonnes relations comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais insulté. Moi, dans mes folies, là, hein, il y a des moments que j'ai ça. Oh, hein, tu crois même que quoi? Je t'assure, je sors toutes les paroles là comme ça, là. Il me regarde. Ok. À la prochaine, il part. 1 mois plus tard, on se reparle. C'est moi qui reviens encore sur mon comportement. Il dit que ouais, vraiment, je m'excuse. Il dit, ok, non, il n'y a pas de problème. Ça va. Les vrais hommes aujourd'hui, là, hein, ils sont rares. Très rares. Et la bouche des gens leur dit toujours ce qu'il y a là. Il dit toujours ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et c'est toujours quand tu es dans une. Supposons que tu avais promis l'argent à ta tante au pays. Vanessa, moi là, je ne suis pas facile. Hein. J'ai 50 personnes dans moi là. 50. Peut-être même 50, c'est petit. Je peux rester en 5 minutes, je te fais 5 personnalités. Je fais where? With who? You've been what? Tout ça, je te fais ça en 5 minutes. Oui. Tu devais envoyer l'argent à ta tante. Ta carte est bloquée. Ça décline. Elle te met la pression depuis 2 jours. Ma tata, je vais finir mon chiffre, je vais partir. Ça fait 2 jours, je suis au bureau. C'est aujourd'hui qu'on me libère. Tu arrives, tata, je n'arrive pas à faire, c'est bloqué. Ah, voilà, tu ne fais pas envoyer. Tu mens. Tu mens. Les gens ont toujours ce truc-là. Tu mens. Je dis, tata, est-ce que tu connais que j'ai fait 2 jours sans dormir parce que j'étais à l'hôpital? J'ai fait 2 shifts d'affilée. Je laisse le boulot à 8 heures, je cours chez Western Union pour envoyer l'argent que tu m'as assez depuis 2 jours. Tu oses me dire que je mens? Le vrai visage de cette personne est sorti. Parfois, Dieu va faire que les projets que tu veux faire avec quelqu'un ne marchent pas comme tu avais prévu. Juste pour voir le comportement de la personne. Parfois, vous venez, je vous méprise volontairement. Hein. Parce que quand il avait appuyé un peu, c'est là que l'esprit qui est en toi là va parler. Elle se prend pour qui? Et comment que quoi? C'est super, ma chérie. Bon vent. Ce n'est pas toutes les batailles que je plonge dedans. Certains de vos esprits là, hein, vous devez rester encore avec 10 ans. Avant de tomber sur je ne sais qui va vous aider à faire qu'ils partent. Il faut que ça fasse encore même 10 ans chez toi. Oui. Et vous ne vous compreniez pas depuis. Souvent, quelqu'un vient, il veut que je l'aide. Oh, il fait comme si. Même mon père ne me parle pas n'importe comment. Mon père, que c'est lui qui a mis le sperme dans le ventre de ma mère pour qu'on m'accouche.
J'ai une relation de respect avec mon père. Et mon père sait que je ne mens pas. Je dis tout, je n'ai pas besoin de mentir. Je mens pour te... J'ai peur de toi. Tu paies mon loyer. Tu me paies le salaire. J'ai peur de toi. Je vais mentir pourquoi? Ces personnes sont toujours les premières. L'autre jour, je devais faire une transaction pour quelqu'un. J'ai une carte bancaire qui est... La carte bancaire, là, c'est une carte spirituelle, je suis sûr. Et au moins, je paie avec la carte, ça passe. Quand quelqu'un est en train de vouloir m'escroquer ou bien il fait un truc sur mon argent qui n'est pas bon, je prends la carte, si il fait le paiement, ça ne passe pas. Je vous assure. Ça ne passe pas. Je prends le téléphone, je montre. Ça se lit bien. Hein. Votre paiement a été rejeté, je montre. Le surlendemain, je refais un autre paiement, ça passe. Je dis à la personne que voilà, voilà ton truc, j'ai payé, prends. Donc c'est passé maintenant, hein. Deux jours, tu m'avais menti. Je dis que c'est mon argent d'abord. Je veux volontiers te donner mon argent. C'est pas que c'est ton argent qui m'a donné de garder. C'est mon argent. Je vais venir te mentir. Je prends la peine de détourner mon énergie pour voir comment je vais te mentir. Gars, c'est trop. Il est flop. C'est beaucoup. Je dis que ma page est la continue. Les infirmiers ne rigolent pas avec les patients. Non, non, non. Et ces personnes vont toujours vous prendre pour l'imposteur ou l'impostrice. Vouloir vous mettre hors de vous pour vous justifier. Et quand tu sens que la personne est en train de venir ou bien que la personne appelle, tu regardes. Tu dis, oh là là. Envie de te parler. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. J'aime ma paix de l'esprit. J'aime la paix. J'aime qu'elle reste comme ça là. Je peux réfléchir sur mon argent qui vient. Je peux réfléchir sur ce que j'aime ici là. J'enjoy. Je ne peux pas m'asseoir comme ça, là, on masse mes pieds, on fait, je ne sais pas, on prend un nom, tu vois. Quelqu'un va rester quelque part aux États-Unis là-bas. Ça n'a pas d'esprit qui le dirige là-bas, dit que contacte la femme là. Contacte-la, tu la stresses. I'm not taking your stress. Leave me alone. No. Et parfois, votre esprit vous parle, mais vous ne comprenez pas. Ceux qui regardent mes statuts WhatsApp, j'ai posté hier que j'ai des ex qui sont toujours, ils ont toujours tendance à venir me demander l'argent. J'avais cette bonne habitude. Je pensais que je suis Mère Teresa. Bonjour, Minette. Quand tu viens, tu appuies un peu mes émotions comme ça. Je sors l'argent, je te donne. Et je dis que si tu es un de mes ex, tu connais comment je bosse. Tu sais que ce n'est pas mon père qui m'a donné l'héritage. Ce n'est pas ma mère qui m'a laissé les terrains ou les immeubles. Tu sais que je me lève. Dans la nuit, même parfois, il me réveille du sommeil comme ça. Ha! Voilà tel programme que je dois faire. J'écris sur le papier. Je crée ma richesse financière. Maintenant, si tu t'assois chez toi et tu penses que je te dois, c'était un moment où tu dis que je veux le dédommagement émotionnel. Quelqu'un m'a sorti un truc genre, tu dois me dédommager pourquoi? Il dit que tu connais avec qui tu as fait de blaguer. Tu me connais, hein? Quand tu es avec toi, tu veux savoir combien de bénédictions tu as eu dans ta vie? J'ai des gens avec qui je suis sorti que quand je passe dans ta vie, même si j'ai fait 2 mois, 6 ans après, tu me recontactes que ouais, tu as fait quelque chose. Ton passage dans ma vie a fait quelque chose. Vraiment.
Il y a des paroles que tu m'as dites. Il y a des choses de moi que tu m'as montrées que je ne savais même pas. Hein. Il y a les ceci. Oui. C'est toi qui dois me payer. You will pay me. J'ai une amie qui m'a écrit sur mon ancien numéro. On se connaît depuis 2019. Ouais. Donc ça, c'est la quatrième année déjà. Elle écrit là-bas, le secrétaire répond. Il dit, madame, la consultation au Cameroun, c'est 65 000. Elle fait la capture de quand elle m'envoie. Je ris. Il lui dit que tu vois comme tu m'écris souvent une fois tous les deux semaines, je te réponds comme ça là. Tu me dis, wow, j'ai fait tel rêve, je parle. Papidou, ou c'est Pompidou. À quoi sert le collier là? Ne demande pas les choses qui te dépassent. Ceux qui savent, savent. Tu as compris? Si tu ne sais pas encore ce que ce n'est pas encore ton degré. J'ai qu'est-ce que ça lui dit? Donc, comme tu te rappelles de moi, il y a cela 3 ans là, non? Hein? Oui, oui, ma chérie. Ce sont mes tarifs pour me parler. Voilà combien tu payes. Ceux qui sont à l'étranger payent même plus cher que ça. Elle n'arrivait pas à croire. Donc, quel sont le salaire mensuel d'une personne pour venir te parler? J'ai dit oui. Et je ne m'en excuse pas. Moi, je suis moi là. Je ne cours pas. Il y a des gens qu'avant que je ne passe dans leur vie, ils ne savaient même pas que c'est possible que quelqu'un reste comme ça là. On vient, on lui donne l'argent pour lui parler. Ils ne savaient pas que c'est possible que tu restes comme ça avec tes dons. Tu restes avec tes dons. Je peux lire, interpréter les rêves des gens. Je peux prophétiser sur quelqu'un. Je peux, et puis on me donne l'argent. Parce que dans les églises, on vous a endormi. Pompidou, j'ai l'école de spiritualité que je fais. Si tu vas apprendre, va t'inscrire dans mon école de spiritualité. Tu as compris, mon cher? Ok? Et ces gens-là vont toujours voir que ça va. Ok. Comme je suis sortie avec elle. J'ai un ex là qui m'a contacté en 2019. Oui. On a peut-être fait 2 semaines. C'est même pas, on n'est jamais passé à l'acte encore que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui était dans le quartier où j'étais. Et il était très beau. Il avait. Tu savais que c'est quelqu'un d'intelligent, mais tu sentais aussi qu'on avait beaucoup volé son étoile. Donc, quand on s'est connu, il a commencé à venir chez moi. Et le jour où il a écouté les enseignements que je donnais, il était surpris. Il a commencé à écouter. Il dit, waouh, ce que tu dis là, ça m'intéresse vraiment. Après, il a commencé à dire, voilà, tu me plais. Je lui ai dit, papa, comme tu me vois là. J'ai toujours dit, même mes ex, qui est un ex comme celui-ci, il va savoir. Il va vous confirmer. J'ai toujours dit à mes ex que je sais là où je suis en train de partir. Je le sais trop. Pour me laisser décourager, distrait. Et le problème, quand l'homme vient dans ta vie, quand tu n'es pas encore arrivé là où tu pars, même si au départ, il te dit, oui, fais ce que tu veux, moi, je vais être de mon côté, voilà, je suis l'homme. Là, les paroles qui sortent. La Bible dit, sans vision, mon peuple périt. Si tu ne connais pas là où tu pars, pourquoi tu veux que je laisse ma destination pour te suivre? Hein? C'est pour ça que mon combat depuis au moins 2018 avec les femmes, ça a été, cherche d'abord là où tu es en train de partir. Découvre ta mission de vie. Et cette mission de vie, ce n'est pas seulement une chose. La formation sur la mission de vie, elle est déjà prête. Donc si vous êtes intéressé, me contactez inbox. Ce ne sera pas une formation qu'on va faire, vous allez me parler. J'ai fait des enregistrements. C'est pour les gens qui sont prêts. C'est pour ça que ça ne sera pas 10 000. Je ne vais même plus faire des formations à 10 000. Je veux que tu finis tout ce que tu as fait dans la journée. Là. Tu es ingénieur ici, tu es docteur là-bas, tu es ceci. Tu rentres le soir, tu te connectes, tu écoutes. Tu écoutes.
Parce que j'ai rassemblé tous les enseignements qu'ils m'ont donnés depuis des années. Malheureusement, ce sera beaucoup de femmes qui vont en profiter. Mais Matthieu 7, verset 7 dit, demande, tu recevras. Cherche, tu trouveras. Je suis convaincue que si tu demandes, tu cherches quelle est ta direction de vie. Le Seigneur ne manque pas, Dieu ne manque pas. Dieu n'est pas un menteur. Ce sont les hommes qui mentent, comme ils mentent, ils croient que Dieu ment. Dieu va te montrer le chemin. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes tournent en rond. Je sens qu'il y a cet appel en moi. Je ne peux pas vous dire le nombre de relations que j'ai laissées tomber. Ce que j'ai dit à la personne, je sais là où je suis en train de partir. Je ne sais pas, mais je sais. Je sais là où je suis en train de partir. Personne ne me connaissait encore le temps. Écoutez, je ne sais pas si j'ai 20 000 personnes qui me suivent là. Personne ne me connaissait. Who the he... Beautiful girl! Oh, beautiful girl! Come open the door. Come. Open the door, please. Did you have a shower? Bonjour. Et c'est quelque chose qui a ça commence d'abord au départ, il n'y a que toi qui sais. Tu creuses, ça se confirme. Tu creuses, ça se confirme. Après, parce que tout chemin de vie, toute chose que tu es venu faire, tu n'es pas la première personne à faire la chose. Il y a des gens qui ont déjà fait avant. Il y a des gens qui ont traversé le doute que tu es en train de traverser. Il y a des gens qui ont... Si tu es les orphelinats que tu veux faire, il y a des gens qui ont fait avant. Si c'est les écoles que tu veux construire, il y a des gens qui ont construit avant. Donc, il n'y a rien que tu es en train de faire ou que tu vas faire qui est nouveau. Maintenant, dans cette formation, je parle beaucoup de l'histoire des autres personnes. Parce que si tu es dans une ville, peu importe le pays où tu te trouves, dans ta ville, tu as maximum 2% de ces personnes dans ta ville qui sont conscients de la mission de vie. Qui en sont conscients, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils ne disent pas que je ne vais pas travailler pour quelqu'un, mais je me mets dans ma mission. Ça fait partie de ce que je fais au quotidien. Et ces personnes aussi ont dû abandonner beaucoup de choses. Ont dû faire beaucoup de concessions. Pour dire, je me décide. Et moi, ce qui m'a toujours motivé, je me suis dit, je veux mourir. Je vous dis encore, je vous rappelle encore, en 2018, je n'avais jamais été dans un foyer où on me battait. Mais en 2018, j'ai été pendant quelques mois dans un foyer pareil. Chaque fois que l'esprit me parlait, il me demandait d'arrêter la relation. On vivait ensemble. C'était toujours, bon, voilà, regarde, tu as 30 ans. Tu ne vas pas quand même... Il faut que tu te maries aussi, non? Oh, toi aussi. Donc, tu vas passer ton temps à être célibataire. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Donc, quand j'écoutais ça, j'ai entre 4h et 5h30. Si tu as dormi tôt, l'esprit va commencer à te parler, te chuchoter.
Donc ma tête me disait, voilà, tu vas quand même, tu vas passer ton temps à te séparer tout le temps, tout le temps. Et là, quelques semaines plus tard, je me retrouve avec ça, son coude ou son pied, je ne sais pas quelle partie de son corps était, ça devait être le coude, sur ma gorge. Et là, tu vois comment ma voix change, hein, il avait carrément bloqué ma respiration. Quand tu respires, ça passe toujours par l'eau. Il avait bloqué mon cou, ce qui fait que rien ne pouvait descendre ni monter, pas d'air. Il a bloqué, bloqué. À un moment, j'ai ressenti, j'ai dit, oh my God, je suis en train de mourir. Et si je meurs? Ça, c'est un espace de peut-être 5 secondes. Hein. Et si je meurs? Donc, je suis fini comme ça, là. Et je suis monté. Hey. Non, 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 non. Si je sors de la fesse, là, si là, il me libère maintenant, là, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai fait parce que je résistais quand il était à m'appuyer comme ça, je résistais. À un moment, j'ai lâché prise, j'ai laissé. Quand j'ai laissé la vue que je me calme, il a dit, tu vas arrêter, tu vas arrêter, tu vas arrêter, tu vas arrêter. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai laissé tout. Il m'a lâché le cou. Quand je respire, reprenais ma respiration, c'est un moment clé dans ma vie là-bas. J'ai pris la décision personnelle avec moi-même. Que si je dois encore me retrouver dans une situation où je meurs vrai, vrai. Il faut que je fasse ce que je sens que je suis appelée à faire. Première chose que j'ai décidé à partir de ce point, c'était de devenir intelligente. Parce que quand tu es dans une relation, tu t'investis, tu donnes tout. Donc j'ai commencé, lui-même aussi avait pris cette décision, il a commencé à me cacher certaines choses. J'ai aussi commencé à me cacher certaines choses. Pendant que je me préparais, genre, si je pars d'ici demain, financièrement, je vais faire comment pour ne pas tomber à la rue immédiatement. J'ai commencé à me renseigner. Ça, c'était en février, cet incident avec le coup. Mars, avril. 7 semaines plus tard, on tente de se séparer. Définitivement. Et quand on s'est séparé, c'est pour ça que je sais que je suis dans ma mission de vie. Je me rappelle quand il est parti. Je me suis sentie tellement soulagée la nuit là. Après, ça m'a même paru bizarre. Je me suis dit, attends, est-ce que tu es normal? Ton mariage vient de se gâter, mais tu es soulagé. Le lendemain, 5h00, j'étais debout. J'ai commencé à faire des vidéos de motivation. Je suis allée courir. Je suis allée. Donc, tout, j'ai dit, waouh! J'ai payé ma dîme. Les choses que quand j'étais avec, je ne pouvais pas faire. J'ai dit, waouh! Et j'avais une attache d'âme puisque je vivais avec la personne. Donc, mon cœur, mon âme était habituée à certaines choses. Ce qui fait que, en une journée, parfois, je pouvais avoir une heure de temps où je déprimais. Donc, je me lève à 5 heures. Ouais, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Vers 11 heures, je commence à dire, oh, comment j'ai pu gâter mon mariage? C'est comme si j'avais des troubles de personnalité. Comment j'ai pu gâter mon mariage? Oh my God. Je prends mon téléphone. Je vais lui écrire. Rentre à la maison, s'il te plaît. Je compose le message. Après, je m'arrête. Arrête ça. Je dépose le téléphone. Vous savez, j'aime être transparente avec vous. Hein. Moi, je vous dis, moi, j'aime ça. C'est que vous aimez le mensonge. Je vais vous dire que moi, je ne suis jamais tombée. Moi, je dois être forte. Je sais, non. J'ai fait des erreurs. J'ai fait 3 mois avant de dire à ma famille qu'on s'est séparés. Parce que je savais que je ne voulais pas les pitiés. Oh, il est parti. Tu vas faire comment? Parce que je savais que ma famille ne connaissait rien de ma mission de vie. C'est comme ça que les semaines qui ont suivi, vous connaissez cette partie de mon histoire. J'ai relancé le Airbnb que je faisais, ça m'a donné un peu de sous. J'ai loué un bureau, j'ai créé l'entreprise en juillet, le Give Giga Academy. J'ai créé, j'ai fait beaucoup de choses. Et je passais, parfois je partais au bureau à 8 heures,
Non, 7h30. Je rentre à 3h. Je bosse, je bosse, je bosse. Un mois, je suis fatiguée. Je mets un livre autour, je me couche. J'avais mis un canapé dans mon bureau. Je me couche un peu, je dors. Pourquoi je me réveille? Je continue à bosser, 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 bosser. Je planifiais ce que je veux faire. Ce que je réalise maintenant, c'est à ce moment-là que j'ai pu visualiser. Je prenais des séminaires, je prenais des coachs, payais des coachs qui m'aidaient à me recentrer. Ça a forgé le caractère dans moi. Vanessa, tu n'es pas folle. Accepte de traverser ta période. Mais que cette période ne dure pas. Parce que si je vais être honnête avec vous, j'étais sortie de cette relation depuis longtemps avant que ça ne s'arrête. Mon âme était sortie de là, mon esprit était sorti, il n'y a que mon corps qui était dans la maison. Il n'y a que mon corps. Et après, j'ai appris à ne pas chercher l'approbation des gens. J'ai appris que ce n'est pas la bague qu'il y a sur ton doigt qui te définit. Parce que tu peux voir la bague sur la main d'une femme, tu ne sais pas ce qu'elle subit chez elle. Tu ne sais pas ce qu'elle subit à la maison. Tu ne sais pas. Il y en a parmi vous, votre âme est froissée tous les jours dans votre maison. On froisse comme la boîte, une canette. Qu'on prend, on écrase. Attendez, je vais vous montrer un exemple. Chaque jour, on vous prend comme ça là. Hein? On vous prend. On vous fait ça. Te voilà. Et ça fait mal. Te voilà. Et sur ça, tu as mis la bague au-dessus. Je cherche un anneau que je peux passer ici. Tu as pris la bague. Tout le froissé là, tu as mis la bague sur ça. Ah, tu montres aux gens, j'ai la bague. La bague là est sur quel papier? Froissé. 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 Abîmé. Meurtri. Et tu te déconnectes chaque jour de plus en plus avec toi-même. Parce qu'il y a un toi. Il y a un toi en toi que tu ne sais pas. Et beaucoup d'entre vous, vous ne vous rappelez pas la dernière fois où vous étiez heureuse. Vous ne te rappelles pas la dernière fois où tu restais comme ça, tu dis. Tu te baffes, tu danses, tu prends la voiture, tu conduis en faisant ta... tu mets la musique. Hey, tchaka, 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 hey, tchaka. Tu ne te rappelles pas la dernière fois où tu as fait ça. Les gens parfois n'arrivent pas à croire que je me sens à l'aise au soleil. Moi, la chauffetaine de la solitude. Please, oh. I beg. Vanessa, il y a l'émoji de pleurs là que je n'aime pas. Hein. Tu as compris? Si tu rêves que les gens meurent, c'est quoi ton problème alors? Hmm? Continue de te laver. J'embauche les gens pour qu'ils travaillent pour moi parce que j'ai compris que je ne dois pas être la bonne de quelqu'un. Ma valeur ne doit pas venir. Fait que j'ai lavé le sol où j'ai préparé la nourriture, tu as mangé. J'ai accepté, j'ai accepté. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai accepté ça dans moi. J'ai accepté. Et si je dois chercher à te faire plaisir,
Toi, tu es d'abord qui? Toi, tu es qui? Parce que parfois, tu prends tout ton pouvoir, toute la grande reine que tu es. Tu pas l'assujettir à quelqu'un qui ne t'arrive même pas au 0,01%. C'est un peu comme quelqu'un qu'on emploie, il est surqualifié. Le barème de jugement là d'abord, c'est quoi? C'est qui? Tu ne regardes plus trop les femmes, ça c'est super. Elodie, même si tu fais ton lavage des bébés aux urines là, à minuit, tu ne vas pas donner après. Donc bêta, tu fais à toi. Bon. Fais à n'importe quel nom, mamie. Tu vas faire, tu vas expérimenter, tu vas voir ce que ça donne. Ne venez pas me parler, laissez-moi parler mon truc, laissez-moi faire mon direct. Ne venez pas me faire vos trucs, je ne veux pas rentrer dans votre histoire. Je ne veux pas rentrer dans vos rêves. Laissez-moi. Vous avez compris, je ne veux pas rentrer dans vos rêves. Bon, t'as quand même. Parfois, vous êtes tellement déconnecté de vous-même. Vous cherchez l'approbation de quelqu'un. Vous portez votre sac d'expérience. Votre sac de tout. Vous partez déposer au pied de quelqu'un. Il ne connaît même pas déterminer ce qui est bien pour sa propre vie. Tu construis un empire. Tu constates qu'il y a là 2 ans, tu gérais des conteneurs, tu gérais beaucoup de choses. Comment ça se fait qu'aujourd'hui ou en 2022, tu pars donner toute ta force, ton expérience, tu pars l'assujettir à quelqu'un que, quand tu regardes ce qu'il a fait, tu cherches, tu ne vois pas. J'étais folle, j'étais fou. Apprenez à vous apprécier seul. Tu restes, tu dis à quelqu'un, je veux faire dans la politique, je serai député. Je serai député, je serai premier ministre. Je serai, tu vois, comme Founing, elle là, je serai comme Founing. Et ouais. J'ai dans le passé une relation, je n'indexerai pas la personne. Et la personne, on voulait tous les deux devenir riches. Mais la richesse de la personne voulait être tirée d'autres personnes. De façon injuste, je qualifiais ça d'injuste. Je ne juge pas, chacun fait comme lui. Et j'ai écouté Bob Proctor, Napoléon Hill. J'étais convaincue qu'il est possible de faire prospérer les gens et de prospérer aussi. Donc, je t'aide et je m'enrichis. Quand tu viens en me donnant ton argent, tu dis, hé, merci, maman, merci. Merci. Tu me mets le cadeau sur ça, tu dis que voilà l'argent du, voilà pour la bière. C'est possible. Mais j'ai dû attendre des années, au moins 3 ans avant de voir ça se réaliser. C'est pour ça que quand tu as un objet, tu as une idée que Dieu te donne. Crois. Je crois que la fille a chanté, que ceux qui chantent, qu'à chacun sa chance.
Elle vient de chanter notre truc, elle dit que tu verras quand tu croiras, ou bien quoi là. Un truc comme ça. J'ai vu ça hier en passant. Quelqu'un peut avoir les mêmes pouvoirs que toi. Merci, Chalise. Bonne journée à toi aussi. Quelqu'un peut avoir les mêmes pouvoirs que toi, mais tout ça passe et que il ou elle veut avoir son mari, sa femme, ses immeubles, et c'est tout. Son argent, quand il veut voyager, voyage. Après, il vient s'asseoir. Toi, tu as le même pouvoir que la personne. Mais t'as pas ces gens avec le pouvoir si je veux aider les gens. Je veux que les gens reconnaissent la vérité. Je veux qu'ils soient libérés. Je veux que je... Vos âmes n'ont pas les mêmes aspirations. Tu peux avoir le même argent. Mais toi, ton argent, tu veux le diriger pour aider les gens. L'autre personne... Ah, moi, je construis trois immeubles. Ah, après, je vais rentrer au pays, m'installer. Je vais venir en Benzema en été. Voilà ce que la personne veut. Toi, tu veux aller au pays construire des hôpitaux. Dans chaque village, tu veux mettre un petit dispensaire. Voilà ta part. Il n'y a pas plus grande satisfaction que d'aider l'autre personne. Oh, pour moi. C'est juste qu'en 2023, Dieu est en train de m'amener dans une autre dimension d'aide. Avant, je pensais que la satisfaction, c'est d'aider ma famille seulement. Après, je suis quittée de ce dégueu-là, je suis partie maintenant plutôt. J'étais un seul endroit, un orphelinat. Après le 7, depuis le décembre, là, Dieu m'a seulement mis à cœur. Donc, j'ai des grands projets qui sont en train de... Je suis en train de mettre dans une autre dimension. J'ai déjà commencé. Quand ce sera prêt, j'ai déjà commencé. Je suis en train de construire. Je cible certaines écoles. Je suis en train d'augmenter leurs infrastructures. Donc, à partir de ce mois de janvier, les dons que vous ferez, je vous montrerai le premier projet déjà. Ils ont déjà même commencé. Donc, on va aller dans les... Il y a des endroits où les enfants souffrent. Peut-être tu vas voir l'école comme ça, les toilettes ne sont pas bien. Tu vas voir peut-être un hôpital, tout un côté comme ça, un peu gâté. Et quand tu vois là, ça ne demande pas beaucoup d'argent pour construire. L'année, si je veux me lancer dans ce genre de projet maintenant. Donc, quand vous ferez vos dons, et je vous mens pas, je vous montrerai à quoi vos dons ont servi. Et croyez-moi, vos dons, c'est peut-être 50%. Parce que même l'autre partie, moi, je mets sur ça. Parce que souvent, les gens croient que... Il y a des projets que moi, j'ai fait, moi, je pense mon AFM, il faut le tout. Je sais que vous avez... Mais je sais qu'il y en a parmi vous que... Parfois, tu restes en Europe comme ça, là, tu veux aider, tu ne sais pas. Ah, tu ne connais pas par quoi commencer. Et tu sais que si tu envoies ta famille... Ils vont d'abord prendre 70% pour aller faire leurs propres choses avec. Le reste, maintenant qu'on va voir si on peut. Et quand ils vont donner la directrice au directeur d'un endroit, le directeur va encore prendre sa part sur ça. Finalement, c'est 10% de ce que tu as envoyé qu'on va donner. J'ai été très inspirée par le feu Photo Victor. Quelqu'un qui part dans son village, on s'est construit. Il construit telle chose. Voilà quelqu'un qui est mort depuis elle. Même dans 20 ans, au restaurant, on va dire, ah, voilà la commune là, que la maison là où c'est la mairie. Je crois qu'elle a construit une mairie, une église, un truc comme ça. Il aurait pu prendre son argent pour acheter un jet privé ou bien une voiture de luxe. C'est l'année de passer à l'action. Et ne simplifiez pas ce que vous pouvez faire.
Malheureusement, beaucoup de choisir simplifie beaucoup ce qu'ils peuvent faire. Je me rends compte que quand je n'avais pas l'argent, je donnais mon temps. L'orphelinat cœur de Jésus que je vous dis souvent qu'il part là-bas, il faut faire des choses, des choses. En 2019, je suis arrivée là-bas pour la première fois en août 2019. Je partais là-bas. C'est moi, on s'est battu pour faire les grands dons. Je partais seulement le peu que j'avais. Parfois, je prends 20 000. Parce qu'à l'époque, c'est ce que je pouvais. J'arrive là-bas, j'achète les biscuits, je donne aux enfants. Après, j'ai commencé à voir que les enfants, s'ils ont la nourriture tout le temps qu'on donne, on donne. Mais ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas quelqu'un qui peut venir s'asseoir avec eux pour les inspirer. Quand le corona a frappé en 2020, pendant presque 3 ou 4 mois, je partais là-bas chaque week-end. Je m'assois avec les enfants. Je partais avec mon projecteur. Je mets avec mon ordinateur, projecteur, baffle, tout ça là. Bon, ils avaient un baffle là-bas, donc je ne prenais pas mon baffle. Mais je prenais mon projecteur, mon ordinateur. J'installe. Je leur montre la tour Eiffel. Je leur montre la statue de la liberté. Je leur dis, vous pouvez rêver que tu peux être un orphelin comme ça là, mais demain je te retrouve aux États-Unis. Que tu es un grand docteur. Comment l'enfant regarde. Après, je vois comment il commence à. Il a conçu une église. Chantal dit, il a conçu une église. Bonjour Nilda. C'est un message qui ne s'affiche pas. Hein. C'est pour ça que je suis en train de voir sur mon autre téléphone. Donc, certains d'entre vous avez dit que je n'ai pas. Ce qui fait que dans ce que je suis en train de mettre sur pied cette année, vous pourrez venir donner de votre temps aussi. Je veux vous donner la possibilité. Parce que j'ai récemment un docteur qui est venu de l'étranger. Quand on parlait, il m'a dit, deux fois par an, je viens au pays et je peux venir dans ton centre. Si tu organises bien, je viens consulter gratuitement. Et ceux qui en ressortent, qui sont des cas très extrêmes, on peut les prendre en charge maintenant dans le lot des dispensaires où je travaille, bien la clinique là où je travaille. Il y a toujours quelque chose que tu peux faire qui peut aider quelqu'un. Et quand ceux qui sont en Europe, vous le savez très bien, en Europe, ils ont organisé ça. Hein. Les Européens ont organisé les affaires d'aide, c'est là. Ils ont organisé. Tu restes ça, tu as demandé les papiers, on ne t'a pas encore donné. Tu as besoin des restos du cœur, non? Tu as besoin boîte de conserve, en français, c'est des boîtes de conserve, oui. Tu pars là-bas, on te donne des boîtes de conserve, on te donne quelques petits trucs quand même, que même si tu n'as pas l'argent, tu peux quand même manger. La majorité des gens qui travaillent là-bas sont des bénévoles. Ils n'ont pas l'argent à donner, parce que d'autres personnes ont donné la nourriture, d'autres personnes ont donné ceci. Eux, ils ont le temps. Ils prennent un peu de leur temps, ils viennent et donnent. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans notre culture africaine. L'Africain ne connaît pas donner à son prochain. Et il y a des façons de donner qui peuvent être... Bonjour, Bijou. Il y a des façons de donner qui peuvent être... désintéressées. C'est-à-dire, on est habitué généralement qu'on donne... Tu arrives, tu te sors 5 000, tu donnes comme ça la mère et dis, hey, merci mon fils. L'autre degré de don, hein, c'est le genre où tu arrives, la personne à qui tu donnes ne te connaît pas. Sérieux. Ou bien il n'aura jamais l'opportunité de dire merci ma fille. Ça, c'est une autre dimension. Et je pense qu'il est temps que vous on dit escalade. Hein. C'est pour ça que vous allez voir un Européen va quitter de maintenant. Il va quitter de là. Un blanc, hein. Il pas fait 6 mois dans un pays africain. Il travaille dans un dispensaire, je ne peux pas trop d'un dispensaire.
Mais dans une église, il aide les gens, il aide les gens, il aide les gens. Ça lui plaît. Ça lui plaît. Il se sent accompli, heureux. Il se lève le matin, on ne le force pas que pas là-bas aider les gens. Non. Il se lève lui-même le matin, pas. En tout cas, c'est dans ça que je vous amène maintenant. Dans cette dimension-là. Vous ne vous êtes pas encore découvert. Hein. Avant, tu faisais plaisir à ta belle famille. Tu donnes à ta belle mère. Tu perds toutes tes perruques, tu donnes à ta belle mère. Après, tu insultes. Tu dis que son fils t'aime trop. Tu vas maintenant changer. Tu veux faire du bien, pas faire dans un. Tu quittes derrière les gens là, pardon. Tu vas apprendre tes insultes, on t'insulte. Tu regrettes, oh, j'étais gentil avec eux, pourquoi? Et viens chez toi, va fouiller ton armoire et voir les chaussures que tu as. Pourquoi mon fils t'achète trop de chaussures? Oh. Ça évite que tu ne prennes la douleur des choses. Genre, je vous ai aidé, je vous ai ceci, après vous me rendez ceci. Non, 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 non. Je ne vais pas aider un orphelin comme ça, là, oui. Oui, la princesse Diana le faisait beaucoup. Pas aider un orphelin. Tu sais que tu sais. Jésus a dit, quand ta main gauche donne, que ta main droite ne sache pas. Quand la main s'y donne, que l'autre ne sache pas. C'est pour ça que vous vous retrouvez, toi, tu dis, oh, ma belle famille, ma belle soeur, après tout ce que j'ai fait pour elle. Hein? Après tout ce que j'ai fait pour elle. Vraiment, le bain de pipi a ses manifestations. Hein. Certaines personnes font le bain de pipi et ils vont dire qu'ils dorment beaucoup. Certains vont faire le bain de pipi et vont dire qu'ils ne dorment pas. Donc, le bain des pipis, vraiment, c'est en fonction de ce que ça trouve dans ton corps. J'ai une amie qui a de la peine à croire qu'elle est bloquée, non. Mais elle m'écrit, elle me dit, maman, les gens qui ont les dons, les talents que j'ai, ils ont l'argent jusqu'à... Je conseille les gens pas de se faire de l'argent, je suis là comme ça. J'ai ri. Elle dit, non, je ne te contacte pas pour les lavages, je ne veux pas les lavages. C'est une amie, une bonne amie. Je ne veux pas les lavages, je ne veux pas les trucs là. Je ris. J'ai dit, ma chérie, si tu crois que tu n'es pas bloqué, fais le bain de pipi une semaine, tu me recontactes. Tu vas comment? Tu vas voir. J'espère qu'elle va faire. Donc, j'espère pour elle. Parce qu'on ne force pas la faire là. Depuis ton offrande, Dieu, tu as le cœur léger. C'est super. Congratulations, you have seen the glory of God. Évidemment, Michel. Tu es allé certaines personnes demain, tu n'as pas vu les gens de ta famille. C'est vrai. Mais quand tu es sincère, le Seigneur va toujours t'amener des gens que tu vas aider. Il va toujours t'amener des gens, pardon. Il va te mettre des gens sur ton chemin. Tu vas aider. Et surtout quand tu aides, n'attends pas la récompense ou le merci. Si tu veux aider quelqu'un et que tu... Après, hey, il ne m'a même pas dit merci. Oublie, bêta, tu ne l'aides pas. Bêta, tu ne l'aides pas. C'est pour ça que j'aime l'esprit capitaliste. Quand le capitaliste, tu l'approches, il veut définir la relation que vous avez. Si c'est l'argent, il te dit, paye-moi telle somme, je fais ça pour toi. Si c'est le cadeau, il te dit, ne paye rien. Et quand il te dit, ne paye rien, il ne s'attend pas à ce que demain, tu viens lui dire que, oh, vraiment, merci pour toi. Bijoux. Tu es musulmane. Tu as lu la Fatiha 7 fois.
Mamie, je ne connais pas la fatia. Et fatia, c'est quoi? Vraiment, la culture de tous les musulmans, je ne me suis pas trop documentée là-dessus. Parce que je travaille beaucoup avec la Bible. Tu as compris, ma chérie, Mijou. Mon contact est sur la page. Mais je te rappelle, quand tu vas me contacter, je travaille avec la Bible. Donc, si jamais je vais te dire quelque chose, je peux attendre de parler avec toi à un moment, je prends la Bible et lis. Donc, si tu ne comprends, si c'est que tu n'écoutes pas la Bible, c'est que peut-être on ne peut pas se parler bien, bien. Bonjour, la reine Roland. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, he has done it for you. And you will come back with a new song to sing, my God is good. Oh. You will come back with a new song to sing, God is good. Oh. Congratulations. Congratulations. You will come back with a new song to sing, my God is good. Oh. Congratulations. Oh, la journée c'est belle. Que la joie du Seigneur soit la vôtre. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Que la direction vous soit donnée. Que cette direction vienne d'en haut. Que l'ange de l'Éternel vous protège, qu'il aille devant vous, selon Exode 23, verset 20. Et qu'il vous protège et qu'il ouvre le chemin pour vous. Je déclare que vous allez arriver à votre destination, au nom de Jésus. Que toute personne qui vous a voulu du mal, qui a comploté contre vous dans le noir, soit exposé. Que les complots soient annulés. Amen. Tout lionceau, tout serpent qui est dans votre vie, qui soit exposé. Nous venons couper leur tête. Nous tranchons la tête de tout serpent, tout ami caché, qui se cache, qui est déguisé en... Tout ennemi qui est déguisé en ami. Nous déclarons qu'ils sont exposés. Et nous annulons leur œuvre dans votre vie. Ma chérie, ne gratte pas ça, s'il te plaît. C'est une poêle anti-adhésive. Elle est en train de gratter ma poêle. Ne gratte pas, mets de l'eau dedans, tu as compris? Pardon? Ne gratte pas, je vois que tu es en train de gratter. Mets l'eau dedans, tu laisses, pardon. Oh, merci. C'est comme ça qu'on me gâte les poils dans la maison, si. J'ai sorti 27 000 pour acheter ma poêle. Hey, Seigneur Jésus. Éternel des armées, je viens bénir votre chemin aujourd'hui. Je déclare sur tes enfants que 1000 vont tomber à leur gauche, 10 000 vont tomber à leur droite. Ils vont regarder de leurs yeux et ils verront la rétribution des méchants. Toute personne qui est dans votre environnement qui veut vous mettre à terre, vous riez. Toute personne qui est dans votre environnement qui veut vous mettre à terre, je déclare que, premièrement, vous recevez la force. Je coupe toute attache d'âme maléfique dans votre vie. Toute personne qui est dans votre entourage, tout oiseau maléfique qui vous observe. Toute relation dans laquelle vous êtes attaché. Et depuis, vous n'arrivez pas à sortir.
Je vous montre la porte de sortie au nom de Jésus. Toute ancienne relation, toute personne qui est dans votre vie, ou même encore tout ex qui a encore des attaches avec vous. Parfois tu le vois dans le rêve, tu ne comprends pas pourquoi. Je coupe toute liaison maléfique qui règne encore entre vous. Tout pacte que vous avez scellé ensemble, consciemment ou inconsciemment, qui est en train de vous bloquer aujourd'hui. Je viens le couper par la puissance du Saint-Esprit. Toute décision que vous avez prise pour avancer, et on vient encore vous faire rentrer en arrière. Toute personne qui est dans votre vie qui vous fait changer d'avis tous les deux minutes. Tu veux, tu ne veux pas. Tu veux, tu ne veux pas. Tu veux, tu ne veux pas. Je déclare que le Seigneur vous donne la force et la puissance pour couper totalement et définitivement ces liens. Pour prendre une décision ferme et aller dans votre direction décidée au nom de Jésus. Toute personne qui vous affaiblissait par sa présence, que quand la personne vous appelle, la personne sait qu'elle vous influence pour vous extorquer peut-être de l'argent, pour vous contrôler. Toute personne qui vient à chaque fois faire des relations sexuelles avec vous pour tirer sa puissance de vous. À partir d'aujourd'hui, je ferme les portes, les accès. J'enlève toute influence que cette personne avait sur vous au nom de Jésus. Je déconnecte les attaches maléfiques. C'est comme si c'est des câbles de connexion. Quand tu ressens ça le matin, souvent ça, tu as peur. La personne te connecte, te contacte en journée. Le soir, tu te retrouves dans le lit de la personne. Une fille m'a dit l'autre jour qu'elle couche avec son frère, même père, même mère. Ça fait 7 ans qu'ils couchent ensemble. Et il a une femme, s'il te plaît. Elle devait être fatiguée, elle était dépassée, elle ne sait pas. Est-ce qu'elle n'arrive pas, elle ne comprend pas. Et ça empêche qu'elle, elle ne se mette dans une relation. Je viens prononcer votre divorce de tout mari spirituel. Je vous déclare purifié de tout inceste au nom de Jésus. Recevez la force pour prendre vos décisions et elles prennent effet immédiatement. Je vous donne le discernement. Je vous donne le discernement. Tout esprit maléfique qui sévit dans votre famille, qui fait que là où ta mère est tombée, toi tu es en train de tomber aussi au même endroit. Je vous libère de toute malédiction familiale. Je déclare que tout cercle vicieux dans lequel on vous a fait enfermer, piège maléfique qui a été concocté pour vous. Je vous libère de ce piège au nom de Jésus. Je déclare que là où vos parents sont tombés, vous ne tomberez pas là-bas. Je déclare que vous ne tomberez même pas d'ailleurs. Je vous libère de toute chute programmée aujourd'hui ou cette année pour le reste de votre vie. Je mets sur vous le discernement pour voir où mettre les pieds, où partir, comment marcher au nom de Jésus. Amen. Toute personne que vous avez éliminée de votre vie, qui est en train de revenir petit à petit, pour reprendre encore de l'emprise sur vous, je déclare que vous êtes ferme dans votre décision au nom de Jésus. Je déclare que vous ne retournez pas en Égypte
tout endroit dont Dieu vous a délivré, vous ne retournez plus là-bas au nom de Jésus. Je fortifie votre esprit. Je déclare que toute décision que vous prenez, vous agissez dessus au nom de Jésus. J'enlève le trouble, l'hésitation de votre esprit. Je déclare que votre puissance augmente. Toute personne qui avait dans votre entourage qui vous influençait avant. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous avez vous dominez sur ces personnes. Vous avez le contrôle au nom de Jésus. J'enlève les regrets de votre esprit. J'enlève les regrets. Tout regret que vous avez eu, j'enlève de votre esprit. Tout papier que vous attendez pour finaliser votre dossier, recevez ce papier aujourd'hui. Recevez votre papier aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez votre papier au nom de Jésus. Je mets l'accélération sur vos dossiers, les dossiers que vous attendez depuis. Je déclare que vous défiez même les pronostics qu'on vous avait dit. Je vous libère de tout esprit qui fait que vous mangez beaucoup. Tout esprit de gloutonnerie. Je vous en libère. J'enlève les attaches sur votre corps. Tout ce qui vous contrôlait. Tout serpent qui est dans votre corps. Lécher les huiles, les trucs là. Je vous ai donné les... Dans les kits, il y a le remède contre le poison de nuit. Lécher ça. Il y a une ce matin qui m'a dit que depuis peut-être 4 jours, elle lèche ça. Et puis, ça lui a donné, depuis 2 jours, elle a des diarrhées terribles. Quand elle lèche ça comme ça, la diarrhée, les trucs gluants sortent de sa bouche. Et je libère votre corps. Tout mauvais esprit dans votre corps, dans votre bouche, dans votre gorge, dans vos trompes, dans vos intestins, dans votre estomac, qui a été déposé là-bas et qui vous contrôle. Qui vous contrôle, je déclare que vous en êtes libéré. Si vous n'avez pas ces produits là, prenez de l'eau, mais achetez ça plus tard. Prenez de l'eau, vous lisez le psaume 35 dessus. Et avant de boire, vous déclarez que oh Seigneur, c'est quel esprit comme ça là? Tu vas me déranger. Vous lisez le psaume 35 et vous. Buvez, vous donnez ça à vos enfants et boivent. Vous commandez à tous ces serpents dans votre corps de se désintégrer, tout vert. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de glaire dans l'œsophage, ça va sortir. Vous avez beaucoup toussé, vous allez cracher. Tout sommeil, toute fatigue extrême qui a été lancée sur vous. Je vous en délivre. Au nom de Jésus. Tout esprit qui est sur votre tête. Qui vous empêche d'étudier, qui vous a découragé pour la formation que vous aviez commencé. Payez-lui de blindage, vous mettez dans votre huile pour vous ondes. Et vous faites le bain d'huile dans les cheveux avec l'huile de blindage.
Je vous libère de tout asticot. On a mis dans la tête. Toute mauvaise attache, toute démangeaison extrême que vous avez sur la tête, le cuir chevelu. Je vous libère de toute présence maléfique qui contrôle votre tête, tout casque spirituel qu'ils ont mis pour faire que vous ne réfléchissez pas bien, vous n'écoutez plus bien ce qu'on dit à l'école, vous voulez vous décourager par rapport à votre formation. Je déclare que vous repartez et vous finissez cette formation. Je déclare que votre esprit est ouvert et vous apprenez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, c'est terminé. Vous ne serez pas en retard à vos rendez-vous. On ne va pas vous laisser hors des décisions importantes. On ne vous laissera pas en dehors de cela. Dès que votre argent augmente encore aujourd'hui, recevez votre pain quotidien. Tout ce qui vous revient aujourd'hui, recevez-le. Je vous libère de toute prison spirituelle. Toute maison d'où vous voulez déménager depuis longtemps. Recevez la nouvelle maison. Recevez votre déménagement au nom de Jésus. Bonne journée.